sais pas comment ça se fait. Enfin, je sais Non, pas. mais Tac. il y a un gars qui m'a ramasse. Jouons sur le Phantom of World. Tac, on envoie ça sur Twitter. J'ai l'impression que le stream s'est pas lancé. Ici, je Si veux c'est la pub bon. qui arrive. Si ça marche pas. Paf. On va où sur le Fantabob World? On va aller en survival. Je sais pas s'ils vont m'entendre vu que j'ai la pub. J'ai pas le son de Minecraft aussi. Faut que je fasse un. Hop. Je n'ose pas avoir le son de Minecraft parce que j'entends pas du tout de bruit. Maintenant donc F3 plus T. Et donc je vais couper le stream parce que ça remarche bien. Tout bon pour moi, c'est bon. Ouais, moi aussi c'est bon. Hop. Donc on remet le chat, on remet OBS. Comme ça je vois tout qui est bien. J'ai tout qui est bien. Hop, du coup, je veux peut-être que je me mette en visible aussi, ça serait pas mal. Et donc fichier. Oh, c'est trop fort le son là. Je sais pas ce qui fait du bruit comme ça, mais. Tac. Et on va aller du coup en survival parce qu'il y a un petit event en ce moment. Tu l'as fait il y a combien de temps ton broadcast, Fifi? Fifi? Je crois qu'elle a dit que c'était il y a une dizaine de minutes. Donc je refais pas, hein, c'est pas la peine. Non, là, tout de suite, non. Paf. J'ai pas de kit parce que je sais pas jouer. Je pense qu'il doit y avoir une game en cours. Bah je sais pas, il y a Fifi qui est Ouais. là. Oui, il y a une game en Il y cours, a hein. une game en cours. Ils sont Oui. c'était une vingtaine en train de jouer. Du coup, si vous voulez nous rejoindre sur le Fantabob World en survival, pour voir mon non-skill. Ton skill qui est très élevé. Non, mon non-skill. Ton skill qui est très élevé. Ah non, moi j'ai pas de skill. Mais laisse-moi dire ça, oui. Wesh alors. Tu veux pas venir jouer en survival ici? Je Ici, suis pas sur Civ de 6. Ah là là. Abandonne ce jeu. C'est le mal Mais pour t'arrêtes pas d'y toi. jouer, toi, non? Non mais ça rend accro, hein, si ça sont 6. Non mais je connais, mais j'ai réussi. T'achèmes. Du coup, est-ce que tout marche bien? Lolo, t'es devant le stream là? Oui, je suis devant le Tout stream. il est très fluide, tout il est très Tout bien. y est très fluide, tout y est très bien, tout y marche bien. Super. Du coup, si tu veux venir nous rejoindre pour taper des gens du Et cool, Fantabob j'arrive, World. j'arrive. Par contre, du coup, maintenant, je mute le son du stream. Mais Ah oui, je te oui. confirme que tout va bien. Go Tenebi, on croit en toi. Ouh, alors là. J'avoue que je coupe aussi le son pour moi maintenant. Parce que c'est vrai que dans le jeu encore, j'arrivais à garder le son. Oui, parce que tu parlais pas beaucoup en même temps. Alors T'écoutais. que là on discute quoi, là ça va être une discussion. Va être un peu plus Ah, il y a discussion, oui. yaourt. Un peu moins détente. Du coup en vrai moi je passe juste pour genre une demi-heure parce qu'après on m'a invité à un barbecue ce soir. Et vu que Oh non. c'est de la nourriture gratuite, ben moi je suis pas comme ça, j'y vais. Bah normal. J'ai même coupé mon stream plus tôt pour. Non mais je pense que dans 1 heure j'arrête moi. Oui, pas tranquille. Non, mais ce qu'il y passe, c'est surtout s'il y va parce qu'il est étudiant. Hein. Et on sait Quoi? tous dans quel état est un étudiant en fin de mois. Alors, faut savoir que moi, en fin de mois, moi je suis dans cet état-là depuis le début du mois. Là, Il y a la les dix cas fois que spéciaux. je bouffe des patates, mais en fait j'ai trop dépensé le mois dernier. Et c'est passé qu'au début du mois, au lieu d'avoir 200 sur le compte, j'ai eu 70. Et je me suis regardé en mode, ah! Ah ouais! Ah merde! Oups! Bon. Bon, bah on va manger des patates. C'est Comme bon les ça, patates! je suis pas le seul à avoir un mois un peu Tu tendu, peux c'est faire pour mon des patates travail. sautées, tu peux faire des beignets de pommes de terre, tu peux faire Ah mais de la purée. ça fait bon là en vrai j'ai réussi à gérer mon mois, bien manger, etc. comme il faut. Oula, ça commence, j'ai peur. Je me sauve. Après je t'avoue que j'arrêterais bien de manger des glaçons si seulement faites des dons, hein. Faites des dons, vous savez très bien que je ne rendrai pas l'argent. Non, mais en fait, que je t'explique, tenez, j'ai fini mon live sur un jeu flash à la con de course de voiture et tout en mode rend l'argent. Jamais, jamais je rendrai l'argent. Et ils le savent Perdu, je très bien connais pas maintenant. cette map. Si Si, tu tu la connais, tenez. si t'as des steaks hachés,
tu peux faire des beignets de pommes de terre, tu prends du fromage aussi en burger, et en fait au lieu d'avoir du pain à burger, tu mets des beignets de pommes de terre en tant que pain de burger, tu fais des patates burger. Ah, c'est des roasties de pommes de terre, ah, bah, c'est super bon. C'est super bon, c'est bon ce burger. Ouais. Tu vois, avec des patates, tu peux manger des trucs cool. Hein. Faut savoir qu'hier soir, je suis allé me chercher deux cheeseburgers à 2h du mat, en plein live, 2h du mat. Je suis allé me chercher des cheeseburgers à côté, enfin, dans un, tu sais, dans un truc chicken shop, ouais, pas cher, parce que j'avais faim. Parce que j'avais, voilà, j'avais juste j'ai besoin d'armes. Friend de Tandar rejoint le serveur. Ouais, j'ai rejoint le serveur. C'est même pas mon PC qui me dit que j'ai rejoint le serveur, c'est vraiment ton live c'est qui m'a dit en live. Alors qu'il y a un décalage en plus. Hein. Alors qu'il y a un décalage, ouais. Mm-hmm. Ah, et ça c'est vraiment votre salut, ça va. Et du coup, Ali Kali, si tu es sur le live, bonjour à toi. Coucou. Moi je suis une quiche en PVP aussi. Devant moi. Je suis une quiche en PVP aussi, t'inquiète pas. Enfin, j'ai tendance à paniquer en PVP. Il n'y a plus que 6 personnes. Hein. Ouais, mais moi j'ai rien fait, moi. Ils sont morts tout seuls, hein. C'est pas ma faute. Bon. On a Filante qui, malheureusement... Fifi, elle est trop forte. A été AFK. Ah, elle est morte. Oh non. Elle était AFK au spawn. Elle avait quand même survécu pendant un petit moment. Toutou. Mais... Ça sert bien de lancer des parties comme ça, c'est pour rester bien. Et Tenek a son petit toutou. Il y a un coffre là. En fait, je connais que ce coin-là de la map, parce que je sais qu'il y a plein de coffres ici. Ouais. Il y a tellement, il faudrait tellement faire les autres maps sortent. Ce serait tellement plus sympa. Mais il n'y aurait pas moyen pour la fin du serveur, il reste un mois, ça serait cool de sortir des trucs en plus. Mais non, il y a déjà deux autres maps qui étaient plus récentes hein, que celle-là. Ah, c'est oui, quand même l'origine. Hein. Mais on a deux maps qui étaient sorties. Eldaria et on avait... Tu sais que je suis jamais tombé sur Eldaria, donc elle marche vraiment ou pas? Et les gens sont tombés dessus? Oui. Oui, t'es corrigé, le spawn avait été corrigé dessus. Je spawn plus en boucle dans le vide. Et c'était des petites erreurs qu'on a pu avoir. Attention, on voit que Rich cheat. Y'a pas un coffre ici où je l'ai déjà ramassé, peut-être, je sais plus. Et qui ça cheat? Wakuri, mais j'ai pas l'impression, voilà. C'est un pseudo que j'ai déjà vu, sans ça me... Ouf, la personne s'est corrigée, ouf. Attends, ce que je t'ai dit, c'est, attends, c'est écrire savoir comme ça, c'est... ça me fait mal. Ah, il y a un coffre là-haut. On a les plans pour voir maintenant, tu sais qu'on peut ban pour faute d'orthographe maintenant si on a envie. Le problème, c'est que si je fais ça, je bannis tout le monde en fait. Mais non, pas moi. Moi non plus. Allez, 90% de la population du serveur, il va plus rester grand-chose. Est-ce qu'il y a moyen d'écrire oh, je vais être belle, regardez. Pour vérifier SE et SESE, enfin SE, CE et SESE. Et dès que quelqu'un fait une faute, genre sur un Sava par exemple, bam, il est ban. Ça boufferait beaucoup de ressources. Oui, les kicks pour va chercher un bécherel. Va chercher un bécherel. Ouais, mais c'est compliqué parce que tu sais, il faut analyser la langue française. Mon problème. Oui, il faut analyser, ouais. C'est pas si simple que ça à faire. Je pensais vraiment le hardcoder sur. Ce qu'il faudrait que je me trouve quand je joue Minecraft comme ça, c'est des playlists libres de droit parce qu'il n'y a pas de musique. Alors qu'on mette un C au lieu d'un CCD, je peux le tolérer. Le CCD, je le mettrai rarement. Le CCD, je t'avoue que ça m'arrive rarement de le mettre, surtout que des fois je mets un C majuscule assez souvent, vu que c'est le début. Il y a un coffre là-dedans. Comment rentrer dedans comme ça? Oui, alors, on peut faire le CCD majuscule, hein? Oui, je sais, mais faut taper Alt, plus je sais plus quel code, je sais, c'est quoi le code? Oh, je sais même pas. Je le connais pas. Et des fois, ça m'arrive d'être sur du clavier QWERTY, et du coup, ça change encore. Ouais, quand j'écris à partir de partir de mon clavier en QWERTY, les accents, les steady, c'est mort. Je vais pas toi, pour toi, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Faudrait que la prochaine fois que je fais un live sur Fantabob World ou sur un serveur Minecraft ou sur Minecraft, faudrait que je me trouve une playlist de musique tranquille. J'avais trouvé des musiques sympas libres de droit que j'avais utilisées sur ma vidéo du défi gâteau. Attends, ça je veux ça. Alors si tu veux, moi je connais. Enfin, il y a un compositeur qui s'appelle Leyal et toutes ses musiques sont libres de droit. Non mais je connais une chaîne YouTube comme ça qui s'appelle Musique Libre de Droit, mais le problème c'est que moi j'aime des musiques particulières. Et des fois, il y a des trucs dans les musiques libres de droit, c'est un peu de la merde. Quoi. Ah, c'est pour ça que je te dis que lui, c'est un compositeur qui, voilà, il fait des musiques un petit peu
La plupart sont plutôt douces. Du ouais, coup, c'est ça voilà. que je cherche, moi. Je te conseille d'aller voir. Oui, bon, il y aura tout à l'heure. Peut-être pendant la prochaine attente de partie. Tu peux demander à Vratier Touché, il y a les 4-5 autres personnes qui étaient sur mon live, je ne sais pas s'ils sont là maintenant. La dernière musique que j'ai diffusée, c'était Taïan. Ah, mais ça va peut-être mettre un lien dans sur les... Attends, où on est hein. Je me suis revenu ici, j'ai fait tout le tour de la map. On n'est plus que 4, mais je suis un peu paumé là. Ah, qui c'est que je vois courir là devant moi? C'est moi? Je sais pas, parce que je suis un spectateur. Oui, c'est toi. Avec je viens de toutos, te trouver, c'est pas exprès. T'es tout de suite, ils vont mourir. Oui. Ils servent à ça. Parce que les gens, ils sont méchants et focus les toutous. Ouais, mais c'est bien, comme ça, ils me focus pas moi. Mais c'est méchant. Monstre. Moi, je t'avoue que j'ai réussi à me faire tuer une fois et à ce que mon chien tue le chien de... Enfin, tue l'autre personne qui venait de me tuer, c'était très drôle. Je suis toute seule, hein. Wow. Il doit être dans le nether, mais j'aime pas y aller. L'autendard, mets le lien vers le... Si tu l'as vers... Ouais, je vais mettre ça dans les éditions micro. Ouh, non, regarde, je t'ai mis un petit truc privé pour les notes de live, si on veut mettre des trucs en rapport avec le live. Mais... Ah oui, merci. Alors, fais un bouche panel pour nous. Tu me trouves une playlist, parce que si tu mets juste une musique, je vais pas... Attends, bouge pas, je vais regarder si je peux. Parce que... C'est bizarre comme endroit ici. Au pire, bouge pas, je vais faire la playlist. Hein. Vous avez vu comment je suis trop forte, je croise personne et tout, c'est comme ça que je gagne en fait. Parce qu'ils s'entretuent tous. Et il reste plus grand monde. Ce sont donc les autres joueurs. On t'attend pour la prochaine partie. Mais y a pas de soucis, vous inquiétez pas. J'arriverai après. Alors tenez, je te mets la playlist chill dans la playlist de Snack Chill, qui a 19 musiques, et la playlist aïe, aïe, aïe. De ses albums, LP, etc. Et c'est libre de droit, vraiment pas de soucis et tout. Hein. Ah mais lui, oui, à chaque fois que tu lui demandes, okay. C'est libre de droit. Et d'ailleurs, dans son propos, je crois qu'il s'est dit que c'est libre de droit. Description, no copyright, voilà. Okay. Dans cette description. Et ce alors, mec est français. L'épée en diam, c'est pas meilleur que la hache, non. Non, la hache fait 9 points de dégâts et l'épée, elle fait 7 points de dégâts. Et à partir de la hache en pierre, d'ailleurs, à savoir. Oui. L'épée enchante est mieux que la hache, c'est pour ça qu'on prendra plus l'épée dans des UHC, des trucs comme ça, parce que ben, on peut l'enchante. Bah là, l'UHC en plus, l'UHC sur serveur, il est revenu à 1.8. Oui, le dégât est comme ça. Bah enfin, là, le dégât, c'est dégât 1.9, mais c'est cadence de. C'est cadence de 1.8, 1.7. C'est pour ça que je dis qu'en UHC, il y aura plus facile, tu verras plus de gens prendre l'épée parce qu'on va les enchanter. Mais si derrière, par exemple, tu ne trouves pas de diamant et que tu sais que tu es dans la mouise parce que tu es pas enchante, bah tu te fais une hache en pierre. À savoir. Tu feras autant de dégâts qu'avec une hache en diams. Et ça peut te sauver la vie. C'est les petites techniques. Hein. Ouais, mais la boussole, elle va me dire ça, mais ça se trouve, le mec, il est en dessous de moi, parce qu'il y a le nether. Oui. C'est pour ça que je trouve personne depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils sont en bas, en vrai. Mais je sais pas, je... Ouais, ça, elle fait des trucs bizarres, la boussole. Je me mets dans la ouais, tête de ton chien. Il est là, en dessous, là. Ouais. Oh, mais j'aime pas le nether. Je suis dans la tête de ton chien. Ténébi est dans le top 3 sans rien faire, juste en se baladant. Vous avez vu, quand même, c'est formidable, hein. Ah mais Ténébi, t'as trop joué à R, Ténébi elle finit les jeux en se baladant. Mais je suis toujours comme ça. Là si elle avait des Elite Rails partir en volant... Moi j'utilise les musiques de SteamWorld Dig 2. Oui aussi. Je sais plus, je sais même pas par où on va dans le nether en fait. Après j'avoue que je donne des conseils sur ce que je connais, mais ouais je connais... Non mais donne une petite playlist et tout, on va la tester, on verra bien ce que ça donne. Oui bah écoute, je t'en ai envoyé deux, tu m'avais des visiteurs. J'avais des playlists libres de droit, mais c'était pas. On sait qu'elles sont libres de droit, tranquilles, qu'elles sont bien. Après, voilà, je veux pas de dubstep et tout, parce que tu vois, les mecs, quoi, ils font des espèces de compilations PVP et tout, mais de la musique de merde. Oh là là. Ah oui, on est d'accord que la dubstep. Je t'avoue que moi, perso, sur mon live, j'ai mis du métal. Ça peut-être. Je préfère faire des beaux kills. Bah, en fait, j'aimerais bien de faire des beaux kills, mais il y a personne. Mais non, j'ai mis du power metal, tu sais, j'ai mis du Rhapsody of Fire. Ah, un album de Rhapsody. Le Nether. Trouver le Nether. Ouais, power metal. Ah, bah, on va se faire téléporter, ça sert à rien. C'est vrai que moi, je suis plutôt pour metal.
Ben, moi aussi, mais pour jouer à des jeux comme ça, etc., le power metal, ça passe bien si tu mets pas trop fort derrière, ça passe. Oh là là, ils sont tous en diamant et tout, et Moi moi j'étais je suis en pas train en d'essayer de me diamant et tout. connecter à mes... Tu dis sur la Quoi? tête de ton chien, ton chien il était loin. Ah Ah non, bon? c'est bon, il a essayé de taper sur toi. Pourquoi tu me tapes pas toi? Pourquoi tu me tapes Moi pas je toi? suis Pourquoi tu pas. me tapes pas? Pourquoi il me tape pas? Aïe, il m'a Parce poisonné, il m'a poisonné, il m'a poisonné. qu'il joue méchant. Je dirais bien d'autres mots, mais on va Il me joue taper pas après. gentil, je suis caché. Non, t'as le droit. Bon bah Salaud! Philippe! Tu touches pas à mon toutou! Oh, elle est pas pratique cette map quand même, je me cogne là dans les coins. Non, oh, le chien dans lequel je suis, il est en train de mourir. Non! Toutou, petit dogo. Non, par contre, la régène, elle est folle. La régène avec les pommes, ouais. Ah, mais ça joue vraiment Arrêtez beaucoup là, trop de poissons, c'est... par contre, arrêtez les mecs. Genre, battez-vous un peu parce que là, ça finit sur la mort subite et. Oh, Ouais, putain, bah mais moi ça tue j'aimerais bien me quoi. battre, hein. Ah, mais C'est genre, eux ça qui va veulent pas du pas. Voilà. Ouais, je suis morte. Dommage. Deuxième, quand même. Oui. Presque sans rien faire. Bah si c'était pas mis à deux à balancer des pots de poison J'ai dessus, pris j'aurais la pu gagner, tête je sur le pense. lobby. Ah, Ouais, moi aussi. Hein? On s'est fait dégager. Ah oui, non, moi non, ça va. Bon, J'ai du coup, pas je vais assez de juste en points, jouer une, mate. moi, de survival, et puis. Kit guerrier, ça... Ah non, kit tracker. Moi, je veux le kit tracker. Ah oui, du coup, attendez. Attends, attends, on va aller dedans. Et on va aller Allez, voir... rentre dedans parce que On va aller voir la playlist. c'est du 1v1 ou les points sur 1v1. Team interdite. Voilà. Du coup, attendez. Pif, paf, pouf, tu m'as Vous êtes envoyé sur quelle ça map du où? coup cette fois? La même encore. On est sur. La même. Oh, mais ça fait vraiment pas de chance. C'est quoi? Non, c'est pas des playlists que Quoi tu m'as ça? données là. C'est des... Si? Si, si. Ah d'accord. C'est laquelle la mieux? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je sais que ce qui fait le Chill, mec tu c'est prends le cool. chill parce que l'autre Mets la fait vite. chill. J'allais dire mets la Ah, chill. Mais le son est l'autre en fort. général c'est sympa. Vous Ouais, me dites pour le vraiment son là parce que j'ai baissé le son un je peu. vois la musique. L'Athénée, je vois la musique qu'il y a, c'est vraiment du chill. Ouais. Bah, vous me dites pour le son. Enfin, pour le moment, je n'ai plus accès au chat. Il faut vite que je le remette avant. Je vais mourir. Hein. Je vais mourir. C'est bon. Quand t'as le kit chien, c'est pas tout de suite que tu obtiens tes trucs, c'est ça? Hein. Non, c'est pas tout de suite, mais aucun kit en fait. Ah oui, c'est bon, j'ai. Et c'est quoi attaque à distance? Comment ça marche? Je ne sais pas. Faut que je clique sur mon chien avec? Non. Je ne sais pas alors. Reviens ici! Le son est Philippe! bon. Oh non, 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 comment... Oh putain, l'arc flame! Elle est sympa cette musique, j'aime bien. Oh là là. Yes, qui joue Arc Flame. Oh mec, devant moi, là, j'ai plus qu'à 5 HP. Non, okay, mais ton pseudo, c'est quoi? Ah, mais non, mais... Ah, Et ton j'aime arc, bien il cette bombe. musique. Mais Fifi. Oui. Matt, toi qui es développeur, ça marche comment attaque à distance du chien? Je ne l'ai Aucune jamais cible, la regardé. cible est trop loin. D'accord, il faut que je vise un mec en tenant ça. D'accord, C'est je rigolo. m'apprends je Vas-y, suis jamais vas-y, testé. on flame toi, je vais te défoncer. Reviens. Reviens, je t'éclate. J'ai pas d'épée. J'ai pas de hache. J'ai rien. Ah, j'ai une épée. Reviens ici. Ah. Ouais, j'aime bien la musique, c'est sympa. Franchement, qui a l'idée de foutre un arc flame? J'espère qu'il n'y a que flame et pas punch parce que putain.
Bah, dis-moi, tu pourrais changer les kits. Ah non, sans déconner, le kit arc, mais... Sur le papier, oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? C'est une autre question. Alors, Matt, pardon, je vais reformuler ça. Est-ce que tu pourrais me filer les droits, que je puisse le changer moi-même, si ça fait chier? Non. Parce qu'il fallait taper dans la base de données. Oh, des bots. Matt. C'est bon, je vais pas faire de conneries sur la BDD, enfin, je sais quand même gérer une BDD, mais... Ouais, mais tu peux avoir accès à tout, non? Qu'est-ce que je m'en... Qu'est-ce que je m'en tamponne d'avoir accès à tout? Je suis perdu. Ah, tu tapes sur la mauvaise table de la base de données? Je vais péter le serveur. Ah bah, ça t'inquiète pas, je dirais pas que j'ai failli le faire, mais... Éviter de spam d'attaque, mais comment ça marche alors? Alors, Matt, moi je connais des gens où c'est pas que tu vas y faire, je sais que tu l'as fait. Bon, comment le serveur, j'ai déjà fait plus ou moins en ligne. J'ai déjà cassé des trucs au serveur, je le sais. Oui, j'ai déjà cassé des trucs, mais bon, ce truc-là... J'ai fait un kill. Ce truc-là, j'ai eu un admin arrivé qui est... tu sais que t'as failli vraiment tout casser. Hein? Ah. Bon, qui vient te regarder dans les yeux en mode Matt, je crois que t'as fait une connerie. C'est genre une grosse. Ah, oui, non, d'accord. Tu le dis pas comme ça, Manoro. Ah bah, Tu le promets, t'as fait une connerie. Oui, c'est ça, c'est. Voilà. Voilà. Ouais, l'admin, c'est l'admin système qui arrive. Voilà, quand t'as fait une connerie, il te le dit. Et tu le dis cash. C'est sympa l'attaque. Généralement, tu vas l'attaque à distance des chiens. Tu un coin et tu attends que ça passe. Par contre, j'ai trop de bordel. Tu vas réparer, mais bon, qu'il répare, tu touches plus à rien, t'es en PLS dans un coin. Bon, je touche plus. Là, il n'y avait pas besoin de réparer, mais bon. Grosso modo, lire une base de données de 2 gigas, une table d'une base de données de 2 gigas, ça fait mal à la même. Mais oui, t'as fait. Ah oui. Non, c'était pas 2, pardon. Je crois que ça devait être 10 gigas. Bon, je laisse du stuff, hein. Je sais que c'est risqué, les gens pourraient le ramasser, mais j'aime pas quand mon inventaire est pris. Voilà. Et le serveur est sensible, il y a des endroits où il ne faut pas les toucher. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément au départ. Tu le sais, mais que après que t'es touché. Voilà, mais moi je le savais pas au départ. Ah, ça marche pas très bien. Moi je suis au courant, donc je n'y touche plus. Oh là là, mais ils sont chiants, c'est les gens qui grimpent là. Qui c'est qui grimpe? Il y a d'autres choses qui sont plutôt gênantes. Ça pourrait être pire, ils pourraient grimper et être à l'arc. Bon, mais... Oh, s'il te plaît. Je suis perdu en plus. Je l'ai plus vu, je sais plus où il est. Il s'est caché. Ah, il est là-bas. Pardon, c'est peut-être pas le même. Tu touches pas à mon toutou, dis donc. Moi aussi je touche à tes toutous, là tu vas voir. Non mais où? Touche pas au toutou de Ténébi. Ouais, cache-cache, je lance. Ah, je suis coincé. Allez, du déacoutre, je m'en déacoutre. Ah, je suis mort. Je vais faire des plouf. Elle est pas pratique cette map, y'a trop de demi-blocs nuls. C'est pas préféré, clairement. J'arrive pas à jump moi sur Minecraft, je sais pas jump, alors dès qu'il y a des blocs bizarres, je sais plus me déplacer. Alors, je t'avoue que j'ai jamais appris à jump. En général, je fais du gauche-droite pour essayer de. Bah oui, mais tu peux pas faire de gauche-droite sur cette map. Non, c'est pas ça en fait, c'est pas que je fais du gauche-droite, c'est que je fais de la diagonale. En fait, j'étais sur un pont. J'étais sur un pont entouré de blocs et. Ouais, mais là, ce pont il était pas terrible. Non, il est pas beau. Il t'aidait pas ce pont là. C'est pas un pont en fait, c'est un barrage qui est percé d'ailleurs. Oui. Ah non, c'est plutôt normal, je pense qu'il laisse découler un peu d'eau. Ah oui. Alors, en général, oui, c'est censé laisser, mais c'est une valve, c'est censé contrôler et puis. Oh, mais c'est joli, hein. Ouais, elle est jolie la map. Ah non, là il est pas cassé, là c'est normal, là il laisse passer ce qu'il faut. Ouais. Par contre, en vrai, quitte à vraiment laisser passer ce qu'il faut, je sais pas, j'aurais pas mis une source, j'aurais vraiment pété le truc pour dire vas-y, ça passe. Excusez-moi. C'est sûr. Ça comment ça, j'ai fait 3 kills. Ah, mais c'est parce qu'il est rempli dedans, très bien. Attends, je bois un coup du coup. Ils l'ont pas fait à l'intérieur. Ah, d'accord, oui.
Oui. De quoi qu'il est rempli dedans? Bah le barrage, il est là. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça sent la flemme de la part des builders. Non, ça sent surtout le décor, en fait. D'ailleurs, t'aurais pas dû fuir. Bah, si j'avais pas fui, je serais morte aussi, parce que j'ai plus de cœur. T'aurais rien changé au combat, il était mieux stuff que moi. Ah bah non, j'étais mieux stuff que lui, non? Que je sais pas. J'ai pas joué à Minecraft en PVP, moi. À la base, je suis une joueuse d'arcade, moi. Là, je joue en PVP pour faire plaisir aux gens, en fait. Moi, je t'avoue qu'en général, je fais de la survie. Bah, bientôt, la survie en live, hein, sur le serveur et tout. Hein. Ah ouais! Après, peut-être modé. Tu sais, sur notre mode qu'on aime bien. Ouais. Mais là, si on s'y met, c'est sérieux, par contre. Hein. Ah oui, oui. Bah, c'était sérieux, c'est juste qu'il y a eu un léger relâche. Dis-toi une chose, Matt, j'y étais pas sur ce serveur. Parce que moi, quand j'y suis, en général, je vous envoie tous dans l'espace un par un. Base spatiale. Ouais, dans l'équipe qui me permet d'avancer, j'avais fait un beau générateur. Hein. Moi, j'ai fait une super maison. En tout cas, mais en fait, c'est juste que seul sur un mode, c'est très, très, très compliqué. Ouais, je t'avoue une chose, il faudrait choper Electriz, je sais qu'il était ultra bon sur le système de générateur et stockage. Electriz m'a dit qu'il allait bientôt passer sur le Discord, donc... Super. Je suis pas mauvais sur API Energetics, c'est juste que c'est long. Le démarrage est très long. Il faut setup les premiers systèmes pour automatiser les premières étapes, pour commencer à accélérer, et puis surtout c'est... tellement coûteux en ressources. Elle est de qui, cette map, Matt? Cette map-là, je ne sais pas, c'est le builder d'origine. C'est vraiment la toute première map du Survivor. C'est non, la deuxième map. La toute première, c'est le Colisée. C'est le Colisée, c'est la deuxième map, mais je pense que c'est... Eden Knight. Eden Knight. Pourquoi j'ai dit Eden Knight? Je sais pas, je pense que c'est Eden Knight. C'est marqué quelque part? Je sais pas, je cherche, je suis en train d'aller sous la map là, mais il y a un bloc de verre. Ouais, je sais que le Colisée c'est Denaï parce qu'il voulait faire une ville romaine complète et qu'en fait on l'a regardé. Il voulait péter un câble, moi il m'a dit ce qu'il voulait faire, il pétait un câble. Ah bah je vous montre le Nether, vu que je suis pas allé. Je vais appeler Cam, bonsoir Captain Cap. Salut. Quel mode? On prendrait un mode pack un petit peu dans le style que The Dream. The Dream. Un peu dans le style The Dream, ouais. Mais je crois que c'est celui du dernier The Dream. Bah, c'est surtout aussi la map avant. La map, pour ceux qui ont pu aller jouer, peut-être qu'on aura la chance de la voir. Eldaria. Ils ont été arrêtés, les builders. Parce qu'ils partaient beaucoup plus loin. Ah oui, mais clairement. Quand on voit déjà la tête de la map, tu te dis, waouh. J'aimerais bien qu'on tombe dessus. On peut essayer. Je peux essayer de voir si... Je peux essayer les builders que tu viens de dire. Pause. On arrête, s'il vous plaît. Casse-toi, j'ai dit, j'ai pas d'épée, putain. Mais du calme. Ouais, c'est qu'un jeu, les mecs, calmez-vous. Putain, les mecs, c'est à cause de ça que je n'aime pas le PVP. Vraiment. Ah bah ça, je suis d'accord que oui, c'est pas fort. J'ai pas d'épée, elle me bute. Et. Slash. C'est vraiment une des raisons qui fait que le PVP, je veux pas y jouer d'habitude, en fait. Les gens, ils jouent leur vie alors que c'est qu'un jeu. Mais non, c'est même pas ça, alors c'est qu'un jeu, c'est même pas de la compète. Non, c'est ça, c'est pas de la compète en plus. C'est Minecraft quoi, les mecs. On a fait, y a aucune compétition dessus, y a pas de classement, y a pas de grade, c'est pas League of Legends, vous êtes pas en Ranked Master, vous êtes pas au LCS, vous avez pas un cash prize à la fin. Enfin non, vous avez pas un jeu de vie, tranquille, calme. Et forcément, je fais. Et encore, moi j'ouvre ma gueule et je suis le premier à des fois péter un câble et rager un petit peu. Clairement. Vous me verrez jamais rager à l'écrit. Vous me verrez jamais insulter quelqu'un à l'écrit. C'est-à-dire que je le fais pour moi. C'est juste pour libérer la frustration. Ça c'est pas cool ça. Tu joues sale. Quelle est donc cette sale? C'est Ikatsu Lelouch qui s'était planqué. Ah, je sais où c'est mis, je crois. Ils font tous ça en plus sur cette map. En fait, le truc il est pas bien centré, j'ai l'impression. Parce que tu. Tu vois que t'as la barrière qui est là. Et là, elle part vachement plus loin. Attends, bah, il suffit, c'est ça simple pour regarder. Je regarde les panneaux. Ouais, non, on est en moins 9, moins 18. Non, c'est celle-là. Non, je m'en fous de celle-là. Ouais, c'est ça, le 0-0 est pas centré en fait. Le 0-0 est centré là sur le pays où je suis. Ah, mais il y a un coffre là, mais comment tu l'obtiens celui-là? Lequel?
En haut ou ça? Bah là. Attends, tu me je suis pas sur toi, t'es des bouches, tu arrives. On a pas de chance, elle sort pas la main. Underpearl. Ouais, ou faut que tu grimpes là, mais. Enfin, c'est. Oui, il y a moyen de grimper, hein, mais. Moyen de grimper, mais c'est pas opti là. Ça vaut pas le coup, quoi, surtout quand on pourra. Un pantalon en fer. Un coffre, et puis ouais, surtout tu vois ce qu'il y a dedans. Mais bon, tu ne le sais pas normalement. Écoute, nous on te le dit. Oui, ah bah bravo. C'est le cas. Ah bah bravo, frère. C'est le cas qui gagne. On est trop content. Et par contre, ça va être ma dernière chose parce que. En fait, les cartes barbecue, moi, c'est ça. Hop. En vrai, moi je vois pas du tout, je vois pas du tout ce qu'on dit sur ton live télé. Comment je regarde moi? Bah oui, mais moi je vais bouger un petit peu, pouf, et là pouf, je peux tout voir. Je peux tout trop voir, j'ai passé, il manquerait un écran. Je t'avoue que ouais, moi ma prochaine config, j'aurais des écrans. J'aime tellement pas cette map. Ah, moi je l'aime bien, ça va. Comme le Tanda. Il y a trop de lag. Ça se fout moi. Eh, vous avez pas de chance au niveau des maps, des sorties de maps. Ouais. Et du coup, KO, je te rassure, je fais pareil. Je rage plus souvent contre moi et qui est fourré un truc que contre quelqu'un. Je trouve si vraiment ça joue. La seule fois où j'ai rage quitte, c'était récemment. C'est parce que j'ai perdu en dé à coudre. Moi. Oh putain. Sur une map facile. C'est né qui rage quitte. J'étais pas concentré, mais ça m'a saoulé. Ah. Du coup, j'ai booté. Mais la map load pas. Oula, faut regarder sur ton PC, Sentry, parce que. Là, ça load bien. Oula. On est presque full. Coucou, Fifi. Oh, il est beau ton nouveau skin. J'ai un KO Bang à côté de moi. KO Bang, tu vas mourir. Je sauve, j'ai peur. J'essaye d'être gentil avec vous, je fais tourner des cercles pour essayer d'avoir les bonnes. Je suis perdu. C'est pas simple. Je suis perdu. Ah ! On m'a tué direct. Je déteste cette map, je la comprends pas. Qui a une flèche de feu ? Qui la pute qui va tuer une flèche de feu ? On a dit on rage pas. Ah mais attends, non, j'en poursuis deux, mais c'est encore le même. Ah mais lui il a de la chance, je sais pas. Cette map je l'aime pas parce que c'est le bordel en fait. Attendez, regardez, vous avez des salles comme ça et puis après ça fait des trucs comme ça et moi je suis perdue et j'aime pas cette map. Et puis en plus il y a le créateur de la map et bah il a fait des bêtises hein. Je veux pas balancer hein, mais je vais balancer en stream, attention. Ah oui. Oui, j'ai l'affaire à One Piece. Mon pénis, je vous le laisse si vous le voulez. Il est caché quelque part sur cette map. Si, il y a plein de coffres sur cette map. Hein. C'est juste que c'est bien caché. Ouais. Alors, de mémoire, c'est ici qu'il y a une connerie, là. Ah, t'es déjà mort, t'es né ? Regardez, oh, bah direct. Regardez, est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est choquant. T'es né qui montre des pénis en live. Oulala. Mais j'ai pas récupéré le pantalon. Quoi ? C'est en extérieur, non, de souvenir. Oui. C'est sur ce qui était l'ancien lobby. Ah non, tu montres pas des pénis en live. Ah oui. Ah. Attends, tu montrais de quoi là ? Bah, c'était pénis que j'ai montré. Ah d'accord. Vous montrez des trucs bizarres quand même. Bah, c'est sur la map, hein, c'est pas ma faute, hein. T'es né à les choquer, le monde des pénis. Ah, c'est sur ce qu'était l'ancien lobby. Ah bah sur l'ancien lobby et encore ça que l'ancien lobby oui, l'ancien lobby on avait fait beaucoup bouger les trucs parce qu'il y avait encore des pénis aussi hein. il y avait des pénis un peu partout mais l'ancien lobby t'avais un moyen de use bug pour sortir et pour aller dans le colisée ouais. on avait changé 2-3 trucs parce que ouais il y avait des pénis aussi c'était qui le créateur de cette carte? Bah, c'est Eden Knight le créateur de cette carte. Bah, elle est superbe hein, regardez franchement. Elle est géniale, mais pénis. Ah, j'arrive pas à trouver. Je pense que c'est pas le seul à avoir bossé dessus. Et oui, on avait dit qu'il y avait pénis. Parce qu'en fait, là, en fait, avant, on descendait là. Et là où il y a la mur d'eau, il y avait un mur invisible. Enfin, il y avait un mur tout souple. Et en fait, ici, c'était de l'ancien lobby. Attends. J'aimais bien ce lobby en vrai. C'était cool. Ah, faut que je me TP à toi, Kenny.
Moi je me balade. Coup, moi j'ai la déco de Minecraft. Ah, ici c'était un canopy ça. Ah oui. Ah oui. Oula, attends, je suis à un endroit que c'était pas ouvert. J'ai été occupé à manger beaucoup moi ce soir. Oh, ils ont voulu faire un truc ici. Oh, il y a un truc qui a voulu être créé ici, mais ça n'a pas été finalisé finalement. Non, il y a, comme je te dis, il y a beaucoup de choses qu'ils voulaient créer et qui n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu le temps de finir. Ah oui, je viens de voir où est-ce que c'était caché. Tout va bien. Eh, on a des builders qui ont l'esprit perdu. Ils font des bêtises. Vous pouvez voir sous le pagne. C'est vrai qu'il y avait ça me faisait tellement rire. L'ancien hub du survival. Ouais. Et le nouveau, c'est Donato aussi qui l'a fait. Donc voilà, la boucle est bouclée. Tout à fait. Et The Knight qui a fait beaucoup de choses pour ça, comme builder. On a quelques builders qui est très actifs. Dont un pour lesquels auquel on doit à peu près toutes les maps de Skywars. Tony. Moi je cite Tony. Mister Tony. Monsieur Tony. Ce serveur existe toujours. Ben oui, il existe toujours, mais il ferme dans un mois et trois jours. Un mois et trois jours, je sais plus quel jour on est. On est le 27. T'as des petites cryptes un peu partout, là. Du coup je visite les cryptes, je m'occupe. C'est vrai que c'est... Anonyme, 19 Sniper. Ah, Sniper a bossé sur cette map aussi, je suppose, du coup. Oui, Sniper. Sniper avait bossé ici aussi. Et je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est aussi un peu à cause de lui les pénis. Surtout à cause de lui. Ah, je veux pas savoir. Moi je balance pas. Mais oui, j'ai quand même pas mal de builders à l'origine. Bah, Fanta arrête YouTube, donc Fanta ferme le serveur, ce qui est totalement logique en fait quand tu penses. Ah, elles sont trop bien les musiques que tu m'as filées, Lolo. T'as vu ? Et concrètement, le serveur est pas avant. C'est leur nom. Le serveur est à leur nom, tout est fait. C'est Bob qui a dit ça pour rire, mais il y en a plein qui pensent que le serveur est vraiment à vendre. Mais j'avais dû écrire un truc comme ça, moi, sur le forum, en mode non, mais les mecs, c'était une connerie, on arrête, stop. Le serveur n'est pas à vendre. Non. Parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà en mode bon, alors on va rassembler les dons pour acheter. Oui. Ça serait à vendre, ce serait pas profitable. Ça serait une entreprise et puis ça serait pour quelqu'un qui n'est pas. Avec toute histoire, Fanta. Non, aucun rapport avec Fanta qui insulte les joueurs. Non, attends deux secondes parce que là, il y a un truc qui m'énerve, Lolo. Lolo, je parle. Lolo, il m'écoute plus. Lolo, ta gueule. Fanta qui insulte le viewer, franchement, très sincèrement, le ta gueule, le gars, il l'avait mérité. Moi, j'étais devant le live et je me suis dit putain, mais quel relou quoi! Pourquoi il s'est passé quoi? J'étais pas là. Bah, c'était à l'époque où Fanta il faisait ses. Cause toujours le matin, il avait la gentillesse de faire de la pub à plein de gens, mais genre tous les jours il faisait de la pub à plein de gens. Et t'as un mec qui veut qu'on lise ses poèmes. Donc, ok, donc on va lire ses poèmes. Donc, Fanta il lit ses poèmes et tout, il monte son site qui était super dégueulasse en plus, en passant. Et le gars il arrêtait pas de couper la parole à Fanta. Et à un moment Fanta il commence à lire son poème et au début ça dit Lacrymosa pourquoi. Donc Fanta il dit Lacrymosa pourquoi. Et t'as l'autre il répond bah parce que et tout putain. Du coup Fanta il lui a balancé un ta gueule quoi. Au bout d'un moment, dès le matin on t'emmerde. Je suis désolée mais bon. T'avoue que me connaissant, voilà, moi j'ai méchant aussi, hein. Me connaissant, moi le ta gueule il serait parti bien plus tôt. J'ai pas la patience d'un Fanta. Et je pense que ça aurait été moi et pas Fanta, et bizarrement, personne n'aurait gueulé. Hein. Non, mais clairement, je pense qu'il s'est largement retenu, Fanta. Parce que... après c'est que Fanta c'est Fanta Bisounours, Fanta gentil, Fanta adorable. Faut le connaître, le Fanta, faut pas le chercher, en fait, c'est tout. Mais derrière, ouais, il aurait un perso, on va dire, un peu plus comme moi. Il aurait pu lui dire ta gueule dès le début, il aurait jamais eu personne qui aurait gueulé. Le mec avait pas compris que c'était pas une question. Bah, le mec a écrit ce poème, il devrait quand même savoir comment est écrit son poème, tu vois. Mais
s'il connaît pas son propre et poème. Puis, ça, c'est bien, s'il connaît pas son propre poème. Et de deux, s'il fait ça juste après avoir coupé la parole, etc., je suis pas sûr qu'il ait pas compris. Je pense que c'est plus du foutage de gueule. Non, c'est pas du foutage de gueule. Je pense que le gars, il était tout gentil et tout. Honnêtement, je pense pas que le gars était méchant. Mais non, je pense pas de la méchanceté, mais je veux dire. Il était un peu simplet, quoi, comme. Enfin, sensible, on va dire. Mais après, le problème, c'est qu'après, t'as tout le clan JVC qui est venu casser les couilles. JVC, en même temps, il est vraiment. Voilà. Et Fanta, il a eu raison, Fanta s'est excusé. Et il n'y a aucun rapport avec le départ de Fanta sur cette histoire. Genre, Fanta, il s'en bat les couilles de cette histoire. Honnêtement, je pense qu'il a même déjà oublié. À peu près le jour de l'an, c'était terminé. Mais... Je pense que Fanta. À part qu'il se prenait des insultes régulières. Mais... Ouais, mais ça. Ça fait des années qu'il s'en prend. Hein. C'est un youtubeur, c'est ça. Ça fait des années qu'il s'en prend. C'est pas ce qui le dérange le plus. Hein. Fanta, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense sur le coup. Une fois que c'est dit, c'est passé, on passe à la suite. Moi, il m'a déjà mis en PLS une fois, le Fanta. Je sais plus pourquoi, je sais plus, il était énervé sur un truc et j'ai ouvert ma bouche et j'aurais pas dû l'ouvrir. Il y a des fois où il est un peu énervé pour rien. Je sais plus sur quoi c'était, mais je me souviens que t'étais en PLS et je me souviens que t'étais sur PLS. Mais j'y peux rien, j'ouvre ma bouche. Et t'étais en PLS. Je me souviens que c'était sur PS. Non, c'était sur Skype, mais j'étais sur TS à ce moment-là, mais c'était sur Skype. Ah, c'est ça. Mais je me souviens que sur PS, t'avais arrêté de parler d'un coup. Ah ouais, je fais, putain, je suis pas bien, les mecs, là, je suis pas bien. t'étais plus là. C'était pas la mine du Fanta Vanguard qui faisait peur. N'est-ce pas? Vanguard, je l'ai entendu s'énerver une fois. Ah non, tu l'as entendu commencer à s'énerver. Ouais, non, il a dit, parce que pour moi, il était énervé, pour moi, il gueulait. Hein. Et après, j'envoie MP, je fais, putain, tu fais peur quand tu gueules. Il fait, ah bah non, mais là, je suis très calme. Ah! Mais là, il est calme. Ah! D'accord. Qui peut paraître très gentil, mais il faut pas venir l'embêter. Mais c'est quoi? Mais honnêtement, très sympa, c'est complètement humain. Enfin, personnellement, tu me casses les couilles. Je vais te dire, casse-toi, dégage. Là, honnêtement, je me maintiens en tant que modératrice sur serveur. Je l'ai jamais dit comme ça à des joueurs et tout. Mais là, genre sur mon live, il y en a un qui vient me casser les couilles. Mais je vais juste le dégager comme une grosse merde. Parce que c'est humain, parce que je suis en train de stream, parce qu'on est tranquille, parce qu'on a envie d'être tranquille. Et c'est exactement pareil pour Fanta ce matin-là. Déjà, c'est le matin. Putain, fais pas chier le matin. Salut, Sunfree. Honnêtement, quand j'ai entendu toute cette polémique, j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est grave et tout. Maintenant, c'était juste ça, quoi. Je pensais que c'était vraiment passé un truc de ouf. Mais non, c'est juste un ta gueule. Faut pas chercher les gens qui font des polémiques. Mais surtout n'importe quoi. Ouais. Dès qu'il y a moyen d'avoir de la polémique. Après non, si Fanta il arrête, c'est parce qu'il en a marre d'être youtubeur, ouais, je le comprends. Hein. Il a bien changé, ça. Il a fait qu'il y a pas mal d'années là-dessus. Bah ça fait quoi, quasiment 10 ans? 8. 8 ans, ouais, c'est ça. Ça fait 8 ans qu'il était ici et il y trouve plus son. Oh, salut Edigis! Je sais pas si t'étais là depuis longtemps. Pour mon vie, ça joue à. Quand tu fais un boulot que tu n'aimes pas, si tu n'aimes plus ce que tu fais, tu changes. Il faut changer. Tu changes. Il y en a plein qui restent enfermés dans leur boulot et non, tu restes. Parce que pas sinon, tu vas pas le supporter. Tu vas pas mais le surtout quand, ah, j'aime bien un cette boulot part. Comme YouTube, quoi. Un boulot comme YouTube, surtout ça. Bah, tu dois toujours surveiller ce que même tu dis. Même tout boulot, en fait, si t'as l'occasion de. Si tu commences à en avoir marre. Oui. Faut pas hésiter à essayer de regarder si tu peux. Ça, je suis d'accord avec toi, mais un boulot comme YouTube où vraiment. La qualité de tes créations, oui, c'est mis à ton humeur, vraiment, ton envie, ton humeur, etc. Ça va influer, mais tellement. Et les gens vont le voir, vont le savoir que c'est chiant. Tu te fais chier, C'est vraiment un conseil à connaître, faut jamais se forcer à faire. On sait le voir. C'est terminé. Genre, par exemple, aujourd'hui, j'étais censé tourner une vidéo pour demain. Et bah non. En même temps, vidéo versus ARL. Honnêtement, je me sens plus à l'aise sur les streams. Parce que, pour ceux qui ont déjà fait des vidéos, c'est super bizarre de parler tout seul. Oui. Honnêtement, quand je fais mes vidéos, dans ma tête, je me dis « Putain, faites que personne passe derrière ma porte, faites que personne passe derrière ma porte, faites que personne passe derrière ma porte. » Alors quand je suis en live, je m'en tape. Après, la fin de...
on sait pas combien de temps ils vont durer comme ça. Beaucoup de choses. Hein. Par contre, désolé, je vous coupe. Je vous fais tous les gros bisous. Je dois y aller parce que barbecue, manger. Viande, binoche, manger, tout ça. Bah, bon appétit. Bon plaisir. À plus. On est marre de faire focus. Tard. Bon, en tout cas, voilà. Bon, pour moi, l'event s'arrête là, l'event survival, hein, sincèrement, parce que directement, je peux pas faire trois pas hors de la map qu'on me tue déjà. Donc je vais jouer, voir s'il y a d'autres jeux sur le serveur qui sont intéressants à jouer, s'il y a du monde. Un peu dommage pour toi. Parce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui me... En fait, je vois des gens qui me regardent dès le début. Genre même son nom, ils me regardent. Active le retour vocal dans ton micro, tu auras pas l'impression d'être seul. Ah non, ça c'est le pire truc. Une fois, j'ai un bug avec mon casque. Building M, il y aura personne. Hein. J'ai eu un bug avec mon casque et je m'entendais dans mon casque. Et ça me faisait bégayer, mais d'une force. S'entendre sur un moment, en fait, ça perturbe. Surtout s'il y a un décalage. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu sympa, tranquille, parce qu'il y a pas beaucoup. Il y a toujours un décalage avec du son comme ça. Vampire, j'ai pas envie parce qu'on va se mac. Il y a des gens en propos, il y a des gens en propos. Il y a un petit peu de gens d'ac, mais. Non, mais d'un coup, c'est pas intéressant en live. Ah, c'est le moment où tu discutes après, sinon. C'est tout. Après, ouais, t'en as un peu en propos. Bah là, c'est plus que le focus streamer, il y a aussi le focus modo que j'ai beaucoup connu avant en Skywars. Dès le début de la partie, c'était. Tuer le modo! J'étais là, ah d'accord, ok, merci. Mais je sais pas jouer au PVP. Tuer le modo quand même! T'es fort! Non? Je sais pas jouer en PVP. Mais si t'es modo, ça veut dire que t'es fort! Non? On m'a pas choisi en tant que modératrice pour mes talents de PVP. Parce que j'étais fort. Laisse tomber quoi. On m'a choisi comme modératrice parce que j'ai 10 ans de moi, modération derrière moi. Je suis développeur moi, et je suis nul complètement. Vous voulez faire en quoi PVP, du coup? Parce que je sais pas si je ferai un broadcast pour dire venez, on va dans ce jeu là. Parce que Survival ils sont plus que 16 aussi. C'est vraiment des choses. Oui, l'event se finit dans une heure. Je pense qu'on peut essayer de lancer des parties de Lucky Race. Tu peux essayer de lancer des parties de Lucky Race, oui. Je vais essayer. Je vais dedans et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rejoignent, je ferai carrément un broadcast. Ou bah Spectra, maintenant c'est fini, ça on n'y pense plus. Tu sais que ça en était un point où pour jouer en Skywars, j'avais piqué le compte de ma petite sœur. Mais oui, c'était les modos qui utilisaient les doubles comptes pour... pouvoir jouer. Enfin, je voulais juste jouer, moi. Et du coup, les joueurs, d'ailleurs, ils disaient « Ouais, vous jouez jamais avec nous, les modos !» Mais comment tu veux qu'on ait envie de jouer avec toi si tu nous focus à chaque fois, tu vois? Salut, Slashy. C'est pour ça que ça y est super forte, en fait. Non, je suis pas super forte. J'aime pas ça, le PVP. Ça me stresse. Les modos sont les seules personnes qui ont le droit au double pont. Bah non, mais les... sinon, t'as... C'est possible, non. T'as... Oh, oh, coucou. Mais sachez que les modos n'étaient pas le seul à faire du double compte. Hein. Certains admins aussi, vous êtes pu jouer bah, quelquefois avec, bah, par exemple, le Fanta. Le jeu, c'est un lucky race, c'est-à-dire que tu vas devoir casser les éponges et survivre jusqu'au bout de la course. Non, tu viens de leur dire que le Fanta venait avec son double compte. Hein oui. Fanta venait quelquefois avec un double compte. Hein, ah oui, mais clairement, oui. Venez. Ah mais attends, là j'ai la musique de Minecraft. C'est quoi la musique de Minecraft? Attends, bon bah j'enlève la musique de Minecraft. Matt, la musique de Minecraft, elle est gérée par quoi? La musique dans le Lucky Race. Ouais, parce que j'ai dû couper le son vu que j'ai ma musique derrière. Elle est peut-être mal gérée. Et du coup, il y a peut-être un patch que je peux faire là-dessus. Pour info, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il pourrait peut-être passer un peu plus tard si je stream toujours. Bah moi j'arrête à 19h30, 20h grand max parce que je n'habite pas toute seule. Et la première question qui m'a été posée quand j'ai lancé le stream à 17h c'est « Mais tu vas manger au moins hein ?» Bon après c'est normal qu'elle s'inquiète, j'ai pas mangé ce midi, j'avais pas faim. Oui. J'ai fait la cuisine et c'était du poulet avec de l'huile et je sentais le poulet et je sentais l'huile et je pouvais pas manger en fait, c'était pas possible. Alors la question c'est quand... Désolé t'es bien d'avoir tué. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est juste que le... Oh, oula, j'étais dans le bloc. Le PVP, ça, j'aime pas ça, moi ça m'amuse pas. Donc j'en fais pour faire plaisir aux gens mais ça m'amuse pas du tout. Ça m'a fait plaisir. C'est là je suicide. Le start game. À la rigueur, le seul PVP que j'aime à peu près, c'est le Skywars, mais je me suis tellement fait focus sur ce jeu que j'ai même plus envie en fait. J'aime bien le fait d'avoir été modo, ça m'a vacciné des jeux du serveur, c'est terrible.
C'est pareil, le vampire, je n'y joue plus à cause des vidéos avec Fanta Bob et toute la clique. Hein. Le vampire, j'y joue plus parce que en fait, Moi, non, c'est vous pas en live, Tenebi ? Ouais, on est sur Minecraft là. Ah, vous avez fini le jeu ? Oui, oui, oui. C'était bien ? La fin est bizarre, mais je pense que je suis morte. Alors c'est bizarre, mais je crois que je suis mort. Ouais, non mais je crois vraiment que je suis mort. Je me fais mal en plus. Bon, moi j'ai été l'administrer un petit peu, ça m'avait manqué. Ah j'ai, voilà, j'ai fait mon retour triomphant quoi. J'ai calé un ban permanent, non deux bans permanents. Voilà. Et lui il va me saouler aussi. Un ban une semaine. Là. Va-t'en. Voilà. Ah c'était. J'ai pas des blocs là-dedans. La fête. Alors MC pour faire. Merci de faire du PVP pour me faire plaisir, mais de rien. Ouais, mais bon, bah écoutez. Mais moi, je vais aller sur ton live, je vais voir un petit peu. Bon, on est en Lucky Race, si tu veux venir sur le serveur. Oulof. Je commence déjà à avoir un peu mal au crâne, là, avec... Bah, tu sais, j'ai fait du Garry's Mod, donc je te laisse imaginer les gens qui gueulent. Mm. Donc, j'ai mal au crâne, déjà, un peu. Je pense déjà... Je vais faire une petite pause jeu là. Non, pas de soucis. Il y a des musiques super sympas sur mon live. Des musiques ? Il y a Lolo, il m'a conseillé une petite playlist libre de droit qui est sympa. Ah oui. Du coup, j'ai compilé le son totalement de Minecraft parce que je sais pas d'où venait la musique du Lucky Race. Tenebi, il faut que tu saches. Salut Stitch. Que t'as un Jean Gabin presque niveau 10. Oh! Et Jean Gabin niveau 10, il change de tête. C'est pour ça que je le tabasse. Oula, boost ce jump 3. Oh non! Non, 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 dégage, dégage, dégage. Saloperie bestiole. Tu nous fais pas un petit Choice Chamber? Je leur ai demandé de choisir entre Minecraft et Choice Chamber. Minecraft a gagné. Ah. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un plus grand timer maintenant pour taper Jean Gabin. Oui. Peut-être pas un plus grand timer, mais en tout cas, il me met de plus en plus de temps à monter. Ah non, toujours 15 secondes. Alors, Spectra, c'est normal, le dernier bloc sur cette map... En fait, sur cette map, au lieu de 50 blocs, il y en a 51. C'est un fail de map, mais... on pourrait aller la corriger, je pense pas que ça prenne trop de temps, mais bon. C'est pas le truc le plus urgent à corriger, on s'en fout. Enfin, le serveur ferme dans un mois, donc... je sais pas ce qu'en pense Matt. Je pense... c'est pas la priorité. C'est quoi la musique que j'aime bien? Alors celle-là... Alors si je me trompe pas, c'est cette musique-là. Bon, on est d'accord, c'est les lignes du Lucky Block, c'est des copier-coller, il n'y en a pas une différente des autres. Non, c'est des copier-coller, il y a juste peut-être sur la map Mario, il y en a qui y a des blocs qui fondent. Ah bon? Ouais, sur la map Mario. T'as des... Tu sais, à un moment, t'as un passage avec la glace et j'ai remarqué qu'il y avait des... D'accord. Bah, il est pas dur le jeu, c'est juste qu'il faut avoir de la chance. Je reconnais des gens qui sont sur mon live des fois, c'est drôle. Non, non, tu trichais pas, Spectra. Qui c'est qui trichait pas? Parce que Spectra a fini la map et il pensait qu'il y avait encore un bloc. Oh, elle est sympa celle-là aussi que j'écoute. Je me trompe pas, on va pouvoir. T'es en train de coder un truc, Matt? En train de regarder. Bah, va pas casser les musiques, hein. J'ai coupé le son, on s'en fout, ça gêne pas. Ah bah oui, mais non, mais en fait c'est... Son de catégorie, point, musique. Comme ça, ce sera dans la musique. Sur, pas ça, sur les prochaines parties, hein. Pas sur celle-là, pas sur ces parties qui arrivent là, hein, je pense. Ah non, non, alors là, il faut me laisser le temps de le coder, que ce soit... Que prochain, ce sera fait. Va-t'en, 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 va-t'en. Aïe, 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 va-t'en, va-t'en, va-t'en. Alors, faut que je l'upload ça. Il me faut mon truc. Et bonsoir. Je voulais ma tête de Bob. Hop. Une mise à jour, je m'en moque. Ah, il y a aussi un bug. L'arbre, il ne se... Ah oui, tu peux pas les casser. L'arbre se pète pas. Oh, des blocs pour les jumps, c'est bien ça.
L'arme ne se pète pas. Mais c'est... Le problème, c'est que tu peux pas péter tout ce qui est bois. Ouais. Parce que c'est utilisé sur les maps. Je pense. Je suis pas sûr que je puisse le faire le rendre. Non, mais c'est pas grave, au pire. Hein. Là. N'hésitez pas, hein, si vous chopez des blocs, à prendre des blocs pour faire les jumps. Hein. Moi, c'est ce que je fais et ce que tout le monde fait. Moi, une fois, il m'avait pété le jump, le ghast. Il avait tiré sur les... Sur, comment ça s'appelle ? Les échelles. J'avais plus les échelles. Oh, bio. Pas de chance, ouais. Mais comment voilà. T'as fait ? T'as réussi à trouver bah, le bloc ? Par chance, j'avais un creeper chargé pas loin. Je me suis sacrifiée pour la cause. Comment tu utilises beaucoup trop de blocs pour te faire les jumps ? Ah, mais toujours, moi. C'est histoire d'être sûr d'avoir un bel escalier. Ouais, j'aime bien. En fait, je suis un peu perfectionniste. Le live a commencé ouais, il y a... Mais... Bah, alors, j'ai fait un premier live qui s'est terminé il y a une heure, qui a duré près de 2 heures. En fait, ça commence à 17h. Oui, donc c'est ça, ça fait 3 heures. Tu veux qu'on te surnomme deux heures que Tanebi ? 1 heure, 2 heures, je sais plus. Je sais pas quelle heure il est. Non, allez. non. Oui, ouf. On remplace la version précédente. Oh bah j'ai plus de... Oh bah j'ai plus... Du coup, Ah, je vois rien du tout. À me connecter. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis morte. J'ai live, tout raté. Bah, t'as tout raté, mais il y aura une rediff sur ma chaîne YouTube, donc t'inquiète. Oh, tu vas mourir. Oula, non, t'as de la chance. Mais t'inquiète, ça arrive. Tu comptes arrêter le live vers quelle heure, ton ami ? 20h, je pense. J'avais dit 19h30, mais finalement, je me sens bien de continuer encore jusqu'à 20h. Ah, d'accord, ouais. Insta kill. Oh. Alors. Elles sont trop bien, ah, ces musiques. Bonne après, je sais pas si on a pas fait le tour de la playlist. Y'en a peut-être pas, y'en a pas juste. Il y en avait que 19, je crois. Ouais. Pas fait gaffe à où on en était. Mais bon, après, elles sont tellement sympas que je pense qu'on se rend même pas compte si on a fait le tour. Oh, oh et Didi, c'est à 14 blocs. If, paf, if. Alors. Donc, c'est la map où il y a un bloc en plus. Et voilà. Le checkpoint, il est programmé pile poil sur le cube numéro 25. C'est le 25. C'est quand on atteint le 25e. Je sais plus comment il a codé ça, Zergin. Je sais plus comment il a codé ça. Je regarderai à l'occasion. Il y a des chances que ce soit quand tu casses le 25e. Nous sommes à la musique 7 sur 19, donc on a le temps. Hein. Ça pourrait être une stratégie, tu sais, de laisser 2-3 blocs quand tu arrives au 25e. Aller plus loin pour que le checkpoint soit plus long. Mmh. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il n'ira pas plus loin. Ah, on a eu une musique de 20 minutes, c'est pour ça qu'on a l'impression que la playlist... Le checkpoint est défini sur la map à l'avant. C'est juste que tu casses moment, quand tu casses le 25e, ça définit que tu as le droit maintenant de revenir au checkpoint. D'accord, oh, c'est dommage. Ah oui, on n'est pas non plus... Encore. Donc ça, dans... Non. Aïe. Hop. J'ai mal au crâne. Je suis arrivé troisième, bon je go manger et je reviens. Ok, bonne app. Hop. Oh, je prends. Quand c'est le... Ah, je sais ce que je vais faire après, je vais mettre mon shader, ça sera plus joli. Voilà. Bon, d'ici 10 minutes... D'ici 10 minutes, je pourrais remettre les sons de Minecraft, c'est ça ? On pourrait juste baisser la catégorie musique, normal. Elle était déjà baissée, en fait, c'est le premier truc que j'ai regardé. Ouais, mais maintenant, c'est ça, parce que je pense que là, t'as dû baisser tout le son Minecraft. J'ai pas de... Écoute. Ah oui, là, j'ai tout mes zéros. J'ai pas de bloc, et en plus, j'ai un truc qui me ralentit, donc je peux pas faire le jump, c'est super. Et il y a un vilain slime. Je fais vilain, le vilain slime. Du coup, pour les viewers aussi. Il y a un monsieur qui m'insulte, je crois, dans le chat. You fuck. Exact, ouais. Je confirme.
peux le mute ou le... Bon, peut-être pas le bannir, mais tu peux le mute. Mets-lui un kick-out de 10 minutes. Un time-out de 10 minutes. Pas tant. À qui vous... À Matt que vous demandez ça? Non. Moi je peux pas. T'es pas modo, Santo? Bah non, tu m'as pas mis modo. Je m'en occupe. Moi je suis puni. Ah bah ouais, mais comme je suis pas venu... C'est bon, J'ai écrit A. Kana s'en occuper, je vais te mettre modo dès que je peux. Ok. Juste me mettre en sécurité. J'ai plus le chat. J'en ai marre. Bah, faut faire S5 si vous appuyez le chat. Se fait violer par des slimes. Ah mais laisse tomber quoi. Sur le chat, mais il écrit plus rien, donc ouais, faut faire ça, mais... Faut pas mettre Santo Modo, c'est un random. C'est pas un random, c'est le Père Noël. Il est méchant, on va te faire switcher. Là, je suis ici. Non, mais on se tonne entre nous, on va te faire switcher, c'est un gars bien, moi j'aime bien. Comment je fais pour te mettre Modo via ça? Tac, normalement t'es Modo. Ah bon? Ouais. Voilà, il y a Santo qui est Modo. Je suis tout puissant. Je vais écrire ça. Monsieur Prabai, évite de parler de ce genre de sujet-là. Monsieur Prabado. Il peut y avoir des enfants qui regardent. Hein, de quoi genre ma petite sœur qui va sûrement regarder. De quoi vous parlez? Super Kirby qui a dit quelque chose dans le chat. On va pas te sanctionner pour ça, hein, mais faites attention. Ah oui, ouais. J'ai pas une chaîne 18+, et je sais qu'il y a des petits qui regardent. Mais t'es sûr que je suis modo, tu dis? Donc, elle a pas envie d'après de voir des parents dire. Des parents venir avant, mais pour. Oui, c'est que j'étais pas modo au moment où j'ai écrit. C'est pour ça. Bon, après, c'est aux parents de surveiller ce que les enfants regardent derrière, et moi, ma petite soeur, je lui dis qu'est-ce qu'elle a le droit de regarder sur ma chaîne. Hein. Oui. Je lui ai dit, hein, Little Nightmares, tu regardes pas, Life is Strange, t'as pas le droit. Same Rancher, tu regardes. Je lui ai dit de regarder R aussi, c'est sympa. Vous avez vu ce qu'a dit? Nous sommes 31 J'ai vu qu'on était une trentaine. Non, ça a baissé là. Ça vient de baisser, mais on était à 31 tout à l'heure. C'est beaucoup, ouais, pas mal les 31. Ouais. La puissance de Minecraft. Attendez qu'on fasse des lives en survie, vous allez voir. En survie? Bah oui. Ah, sur votre serveur que vous voulez créer, c'est ça? J'arrive pas à le jump. Comprenez pourquoi je prenais les blocs? Et il est chiant ce jeu. Je suis pourri à ce jeu. Oh oui, quelle idée de mettre un jump avec des échelles, quoi. C'est le pire jump de Minecraft. Moi, j'aime pas du tout. Ah là là. Puis t'es tellement loin, Téné. Ah bon, alors, Téné. Oh là là. Pour test. Tap slash timeout, va te faire twitcher. J'ai perdu, hein. Fais-toi plaisir. Dites-vous que j'ai perdu là. Va te faire twitcher qui veut que je le timeout, tu sais. Non, moi je suis pas comme ça. Je suis malheureuse. Oh là là, mais c'est perdu pour toi. Oh là là. T'as eu. La mort subite encore. Ah, t'as vraiment pas de chance. Hein. La mort. Parce que t'es même pas arrivé à ce milieu, d'accord, t'as même pas le. Attends, j'ai une pub. Va-t'en, je veux pas de pub moi. Attends, je comprends plus rien à ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Hein? Peut-être pub. Bah non, mais c'est ma playlist musique, il y a une pub. Ah. Oh, des blocs! Mais demande pas des théos. Je vais perdre, là c'est mort. Et oui, et GG! Canadriel, ça me fait penser à mon pote qui s'appelle Amadriel. Très drôle. Ah, le bananeur qui démange, je connais ça. Moi là, c'est pas la bananeur que j'ai sorti sur le serveur où j'étais. Je suis arrivé, j'ai sorti la sulfabane. Bah nous on avait. Sulfabane limitée. Qu'est-ce qu'on avait sorti comme connerie? C'était déjà 8 là? Ouais. Vous êtes allé super vite, j'ai voulu vous rejoindre, j'ai fait, tant pis. Qu'est-ce qu'on a... On avait le camion du ban, mais genre... Parce que en fait, on avait un type de cheater, ceux qui fly en Skywars, ils regardaient à droite, ils regardaient à gauche,
Et il traversait en volant. Et là, il se mangeait le camion du ban, tu vois. Et c'était, mais c'était tellement ça, genre les mecs, tu les voyais vraiment regarder à droite, à gauche, genre ah ben on me voit pas regarder, je vais voler au mine, on me voit pas et tout, je suis tranquille. Et en fait, il se faisait choper par nous. Je sais pas si j'ai pas oublié un bloc, je vois rien. Le camion du ban. Ah, j'ai oublié de mettre mon shader. Ah. Moi, je vais faire une petite vérification quand même. On va cliquer sur le petit par ici qui est juste là. Non, non, va-t'en, va-t'en, toi. Tu m'empêches de creuser mon truc, là. Va-t'en, dégage. Ah. Oh, c'est bon, je suis toujours. J'avais l'impression que j'avais toujours en première place. Regarde ton arrière. Quoi ? J'ai l'impression que t'avais loupé un bloc en arrière. Ah, j'ai eu cette impression là aussi, donc c'est fort probable. Au pire, je sais où c'est, je sais que c'est dans le désert. Oh là là, cette galère. Fais-toi plaisir, Cana. Oh là là. La cécité. Bon, j'avoue aussi le fait qu'on puisse pas spec les joueurs. Hein ? Le fait qu'on puisse pas spec, non. Ouais, mais il y en a qui arrivent à spec, hein. Ouais, mais là je peux pas, je vois pas. Est-ce que ça serait pas à cause du grade ? Non, c'est là n'importe personne ne peut. Parce que j'en ai vu spec, hein. Oui, je suis d'accord, j'ai réussi aussi à spec. Oh là là. Bon bah du coup, comme je suis mort, je vais pouvoir regarder si j'ai pas oublié mon bloc. Ah, j'ai sauté trop tôt. Non, j'ai pas oublié dans le désert. Oh, bon, de la chance. J'avais cru en voir, hein, juste avant le... Et comme t'étais aveuglé à ce moment-là... Ouais, non, on voyait rien. C'était peut-être le coffre, il y avait un coffre. C'est peut-être ça que t'as vu. Oh, une pomme. Ça, c'est une musique que je connais, ça. C'est un remix d'une musique qu'on connaît, ça, non ? J'ai l'impression. Ah, oh, je suis morte. Bon, juste au checkpoint, mais elle se fait chier. Ah, oh, encore un gros slime. Sale bête, va-t'en. Il va me tomber dessus en plus. Oh, elle est tellement mal placée. Ah, oh, j'ai une tête de fanta, ça c'est trop bien ça. C'est la musique qu'on entend dans Shrek. Oh. Santo. Ça fait un beau chiffre. Merci. Enfin, nombre. Mais c'est pas... Mais garde ton argent, t'es fou toi. C'est la musique de Shrek que la princesse elle chante. T'inquiète pas, t'es débile. Hein. Là, je pense qu'on attendra longtemps. Oui, il me semble que c'est un remix d'une musique de Shrek. Clair. Ouais, ouais, bah c'est ça. Yastalis, on s'est connecté le cerveau. Hop là. Oh non, je suis pas. Nébi, t'es quand même complètement cinglé. Hein. Pourquoi ? Bah t'as genre 3 coeurs et demi et tu sautes dans les trucs qui font des dégâts. Toujours. Que tu résistes quand même pas mal, je trouve, à ces trucs-là. Par contre, là, je vois rien du tout. Ah, c'est bon. Ouais, ça te fait un demi-cœur de dégâts, je crois. Même pas. Oh là là, Ténébi qui est tombé dans la toile d'araignée, qui est grave ralenti. Non, t'inquiète, c'est bon, je gagne. T'as eu de la chance, hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à 7 aussi. Et je crois qu'il est décédé. Ah, oulala, je fais du bruit. Vous inquiétez pas, je vais tout tomber. En fait, je crois qu'il y a mon petit chat qui grattait à ma porte, mais non, c'est dans la musique qu'il y avait un bruit bizarre. C'est mon téléphone qui est tombé. Mais comme j'ai une super coque en silicone avec des oreilles de chat et tout, ça rebondit. Hé hé.
j'ai chaud. Ouais, moi aussi. Je suis limite à allumer mon ventilo. Mais si du bruit, c'est chiant. Mais toi encore, t'as de la chance. T'as pas la cam et tout. Tu peux te mettre torse nu ou un truc comme non. ça pour te réchauffer. Non, non. Pour te refroidir. Non, moi, je fais pas ça. je fais pas ça. Oui, mais moi, je le fais normalement, tu vois. Mais quand je live, je me force à mettre un t-shirt, tu vois. Mais même toute seule, je suis pas du genre nudiste. Mais je te dis pas de te foutre à poil non plus, mais genre ça chante, il y a des paroles. Comment ? Il y a des paroles dans la chanson. Changement de sujet. Ouais, non, ça m'a choqué qu'il y ait des paroles parce qu'il n'y en avait pas depuis tout à l'heure. Bah, les gens, il faut tabasser Jean Gabin, là, il est presque au niveau 10. Tac. T'es pas dans la partie, Matt ? Pour moi, il est au milieu. De quoi ? Tu t'es pas mis dans une partie en attente, Matt ? Ah non, non, je me suis pas mis dans une partie Dommage. En attente. Dommage. Tu aurais pu être avec nous, du coup, je pense. Oui, je vais plus à plus, j'étais TFK. Ouais, qu'est-ce que Bonsoir, Spectra. Au revoir, Spectra. Ah oui, tiens, on va te faire switcher, vas-y, répète. Répète ce que Santo il m'a dit de faire. Balance. Quoi ? De quoi ? Parce que tu m'as dit de faire. Ah, te mettre torse nu pour... T'as vu pour T'as vu il me fait des dons et après il me demande de me mettre toute nue. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette déformation? Renaud, je suis la boue des déformations, mais tout le temps je fais ça. Mais genre... Moi je vois que les déformations, c'est exactement... C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais bon, c'est pas... Oh, puis merde, je vais vous faire foutre. Oh, je fais lire, ça n'a aucun putain de sens. Tu devrais le savoir à force que je fonctionne comme ça. C'est pas faux. Mais de toute façon, qu'ici, tu vas pas comprendre ça comme ça, j'espère. Si. Oh, allez, moi je déménage, je change de pays. Ça servira pas à grand chose. Hein. Nous, c'est pas faux. Renouveler son VLAG jusqu'au 26-06. Il fait chaud dans ce pays. Ah, je suis tombée. J'ai de lenteur. Ah, oh, j'ai encore oublié le shader. C'est chiant ça, faut que j'y pense. C'est quoi les notes live? Le channel Note Live, je sais pas. Note... Ah, c'est Matt qui a créé. C'est parce que il faut aller un endroit pour nous envoyer des liens pour les musiques. Ah. Un endroit juste en fait. Je pense que je vais regrouper les deux playlists en une, que je la lancerai en aléatoire et tout. Faut que j'écoute l'autre ce que ça donne, parce que 8 bits ça peut-être taper sur le système quand même. Oula, oula, ça va piquer. Après, ouais, il faudra arriver à faire sa propre playlist. Ouais, je ferai ça. Idée event, une course de voiture. Ça pique. C'est bizarre, une course de voiture, je connais ça. Oh non, non, je suis coincé dans des blocs. C'est quoi ça? C'est bon, je me suis décoincé. Je suis pas dans le bon sens du coup. Deux fois d'affilée, je viens de voir des. Oh, c'est dégueulasse. Ah, coincé dans des blocs, ah oui, c'était de faire trop coincé dans quoi? La cage avec les enclumes. Ah ouais. Ah, t'as coûté beaucoup de vie cette cage. Ouais. Hey, Putain, ça me fait penser aux musiques qu'on peut voir dans merde, comment ça s'appelle la musique qui passe là? Ça me fait penser à une musique de c'est un jeu sur PS4 et avec Noctis et Lunafreya. C'est comment le nom? J'ai un trou de mémoire, Matt. FF15, merci. La musique qui passe, ça me fait penser à une musique qu'on aurait pu entendre dedans. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je ne connais pas FF15. Moi, je sais pas. Je... FF15 m'intéresse. Brûlez-le. Mais genre, vraiment pas du tout. Bah, FF15, c'est mon premier Final Fantasy, hein. J'en avais pas fait avant. Oh ! Satanerie ! Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon ? Ouais, mais j'ai pas été élevé à ça. Ah oui, je suis d'accord, mais pas le 15, quoi. Ouais, si, il est pas mauvais. Ouais, mais bon. J'aime bien le 15. Il y en a des meilleurs, on est d'accord. Oui. L'histoire, c'est so full drama. Oh.
Ah, l'histoire en fait. Ah non, mais ça par contre, c'est tous les Final Fantasy. Ouais, mais j'aime bien. L'histoire, oui, c'est... elles sont rarement joyeuses, les histoires. Ah, oui. Ça fait clairement musique de RPG. Le temps de s'équiper d'une armure. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. J'ai le temps, regarde. Denebi, il y a quelqu'un qui a un bloc dial. Oh, si je m'équipais d'une armure, non, si je prenais mon temps, j'allais faire un golf. Non, mais j'avais le temps large. Par contre, t'as du mal à éviter les toiles d'araignée, à ce que je... Ah oui, ça par contre, c'est pas jump. Je l'aurais fait... Oh, mais ouais. Non. Sérieusement, moi, pas savoir jump, je suis très choquée. Mais ouais, là, c'est con que ce soit ton premier Final Fantasy. Je sais. Bah... Problème, c'est que... Moi, mon tout premier, ça va être très con dit comme ça, mais c'est... Ah bah c'est ça, c'était bien... C'était bien un remix ça, de FF15. Oui, je sais, mais j'ai écoutez, pas joué, j'ai des bonnes oreilles, c'était bel et bien un remix de FF15. Ah, tu vois, je suis même pas étonné. Mais ouais, donc ouais, Final Fantasy 7, j'ai quasiment pas joué, malheureusement, j'ai pas fini. Et j'arriverai pas à me le refaire parce que bah les graphismes, etc., j'arriverai pas à me. Mais ils sont pas une. Bienvenue, 0x6. T'as dit quoi, Matt? Le 7 va être entièrement refait, ils sont en train de le refaire. Oui, ils sont en train de le refaire, le 7. Oui, alors oui, en ils HD. Sont en train de refaire le 7. Ils sont en train de refaire l'histoire. Le 7 en HD, etc. Après, le style de jeu sera plus le même, mais l'histoire sera la même. Voilà, le style de jeu, ils vont le foirer, donc... Ça me fait peur. Ouais, on va voir. C'est à voir. Mais, moi, j'ai commencé sur lui. Tu vois, les Final Fantasy que j'ai fait, que j'ai fait en long, en large et en travers, le 10 et le 13. Le 10 et le 13, et après, bon... Alors, le 13, j'ai bien aimé le troisième, celui de la... le troisième derrière, pas prochain. Ah non, ah oui, par contre, j'ai pas fait les extensions du 13. Moi, j'ai fait la première extension, classique. J'ai bien aimé, la deuxième, pas du tout. C'est pas avec... la première extension, c'est pas avec Pupute, là, celle qui a les cheveux et qui fait tout le temps des petits... Avec Pupute. Ah non, mais... Ah non, mais des fois... Alors, la première extension de... Quelle tu... Du 13 ? Ouais, ah, du 13. Ah, Max, t'es là. C'est pas celle qui a une espèce de bâton magique dégueulasse et qui s'extasie devant tout ? Il y a devant tout que devant rien. Ouais, c'est pas faux, mais bon, ouais, c'est insupportable au bout d'un moment. Mais ouais, moi j'ai fait le 10, j'ai fait le 13 et ça c'est parce que mon amour des MMORPG, quand j'ai su qu'il y avait un Final Fantasy MMO, j'ai voulu y aller. Et, est-ce qu'il est bien Farsi là. Ah, il est génial. Bien. Bah, le problème c'est que faut pas que je joue MMO parce qu'après c'est mort. Oui, ça c'est sûr, c'est mort. Puis surtout que, par contre, si tu viens pour Final Fantasy XIV, au moins déjà d'office, je vais repayer un abonnement et je viens jouer avec toi. Obligé. Ouais, c'est le problème, c'est l'abonnement. Moi. Ouais, c'est ça que voilà, c'est... Et l'abonnement est cher, c'est 11 balles, je crois. 11 ou 15, je sais plus. Enfin, c'est cher. Ah et bah, par contre, si tu y rejoues, je vais t'obliger à faire une série de quêtes secondaires. Mais genre, c'est obligé. C'est une série de quêtes secondaires tellement drôle, mais tellement barrée, tu t'éclates de rire. Peut-être un jour. Ah, franchement. À voir si je trouve un boulot ou pas. Pour ceux qui connaissent FF14, Hildebrand, voilà, j'ai juste à dire ça, Hildebrand, voilà. Attends, ceux qui connaissent FF14, normalement ils connaissent. S'ils connaissent pas, c'est qu'ils ont pas fait cette quête secondaire. D'ailleurs, je suis paladin niveau max, je suis machiniste quasiment niveau max, je suis quoi d'autre? Je sais plus, j'ai plusieurs classes niveau max. Je crois que j'ai 4 classes niveau max. Moi, c'est vrai que je pense. Mais jamais, il me. Et tous les autres, quasiment tous les fois. Ah, saloperie de bestiole. Mais sachant que ce MMO est plutôt sympa dans le sens où. C'est pas tu dois te refaire un perso pour avoir une autre classe, tu vois. Oh là là. Ton perso peut avoir toutes les classes au niveau max, tu vois. Mais il peut pas toutes les jouer en même temps. Je vais mourir du slime. Ouais, donc, je suis mort du slime. Tout cool. Et merde, ouais. L'extension est cool. Bah, l'extension était importante parce qu'ils ont fait tout. Oui. Ah oui, non mais l'extension était. La première est super importante. La deuxième, je l'ai pas fini parce que j'ai arrêté de payer mon abonnement dû à des problèmes pas financiers mais
avec les mecs avec qui je jouais avec le 14, ça s'est mal passé et donc on a stoppé. Non mais j'enchaîne les manus, nausées, poison. C'est rigolo quand j'ai la nausée. La nausée avec mon shader, ça fait des clignotements à un moment, c'est très marrant. Crise d'épilepsie. Mais totalement, c'est très bizarre. Hein. Merde. Enfin bref. Ah, et par contre, ouais, t'as pas fait FF10, Matt. Si, si, j'ai fait tout FF10. Va-t'en. Numéro quasiment tous. Parce que je les ai achetés. Après, je les ai achetés après. Le 10. Rassure-moi. Rassure-moi, le 10. T'es tapé des barres avec le jeu de foot. Ah, j'ai pas mal joué, c'est vrai que c'était... L'espèce de jeu de foot dans la flotte, c'est pas génial. Vrai, ça. Ah, j'avais kiffé. J'ai deux guests. Non, mais non. Non. Le truc qui est très drôle, c'est que je déteste le foot dans la vraie vie. Mais par contre, le foot FF10, où tu peux te limite péter la jambe de ton adversaire sous l'eau, c'est génial. Ouais, ça avait son style. Hein. Ouais, ça avait son style, clairement. Je m'en fous du gars. Putain, je suis mauvaise, hein. Je suis à 26 blocs. Je sais pas. Bah, ouais. Moi, j'ai deux ghasts dans la gueule. Je vais mourir encore une fois, je pense. À moins de coup de chance. Je sais pas qui c'est qui avait la moto, là, mais... C'est chez moi, désolé. Non, bah t'inquiète. Ah, d'accord. Je viens de prendre quoi, là? D'accord. J'ai dû mourir du ghast, encore. Oh là, il y a eu une grosse explosion, ici. Moi j'ai rajouté des chez moi, avec les gars. Il s'ennuie donc je vais peut-être aller jouer avec. Pas de soucis. S'il est en train de pleurer. De toute façon, le live se termine dans une vingtaine de minutes donc. Bon bah je vous dis au revoir le live et à tout à l'heure, Tenelli. À Matt, tout à l'heure, Santo. Ah ouf. On va passer les gars s'il vous plaît. Je ne fais que on passer. On a l'effet nausée donc on va peut-être avoir du clignotage. Ah oui, ça clignote, ça y est. C'est jour, nuit. Jour, nuit. Non mais. L'insta-kill ? Non mais il rigole ! Oh putain ! Ma tirage ! Mais je trouve que des... Oh mais... Il y a un gosse qui a tué l'autre. Lol. Sérieux ? C'est ridicule. C'est rigolo quand ça arrive ça. J'avais un gosse devant moi et il dit... Ouf, non. Ah, déjà le premier qui sonnait. Bien. Moi je suis mauvaise là. Je pense que j'ai perdu. Oh, je suis mauvais, c'est juste que je me prends tellement de malus dans. Mais non, mais. J'ai pris quoi dans la tête? Pourquoi je suis mort? Je sais même pas ce que j'ai pris. Mais je suis mort. Je suis vu mourir, instantanément. Sans pouvoir rien faire. S'il n'y avait pas l'arbre qui me gêne, j'aurais win. Ah mince, il a un arbre qui te gêne, apparemment, Nedio. Je sais pas. Désolé si t'as sur le cœur. Je sais pas s'il est sur. Ah oui, je vois, c'est sur la. Au niveau des. Merde. De la zone avec la lave. À cause de l'arbre, il ne peut pas sauter sur les plateformes à côté. Ah. Il faudra avoir des blocs sinon. Au pire, tu retires l'arbre. Je sais pas si tu peux le faire, mais. Si tu veux pas mettre le fait qu'on puisse casser l'arbre, retire-le. Je vois. Si, je dois peut-être qu'on puisse le casser si on. Si on fait une magouille, hein. Enfin, j'ai une chance d'être troisième. Oui, oui, je suis morte. Non. Les blocs trop explosibles. Hein? T'as dit quoi qu'ici? Rendre les troncs destructibles. Bah après, ça... oula, ça donnerait le moyen. En fait, je veux pas le faire surtout en fait. Ça donnerait moyen de péter complètement la map en fait. Donc, J'ai perdu. On va me dépasser. Moi là, Ah non, voilà. J'étais devant le bloc. Quoi. Sixième. Ah ouais, d'accord, du coup, je suis sixième carrément. Il manquait tant de blocs que ça. On était tant six avec ça. Il y en a qui sont déconnectés, donc je sais pas trop. Là. Tu penses que là, ça va pour le son du jeu ou pas? Avec de la chance, ouais, je vais essayer de regarder. Ah, il y a une pub, Burk. Pas tant la pub. Oh, encore une pub! Waouh! Hop là. En ce moment, je me tape les pubs à la suite, deux d'affilée en fait. C'est-à-dire que je vais une pub qui va se passer et il y en aura toujours une deuxième derrière.
J'ai pas pu mettre là, le son. Gaz, du... J'en ai marre d'avoir des gaz, des lenteurs. Oh là là là, des trucs lents. Mais sérieux? Ah merde, non, fallait la garder, tant pis. J'ai perdu, j'avais une tête de Bob et j'ai fait merde. Ah, tu l'as posé au sol? Ouais. Donc ça, c'est bien. La pioche. J'ai une tête de Fanta, ça, ça me plaît. Oh, mais nausée. Non, mais... Entre le feu, nausée et tous les trucs. Eh non, mais. Attends, je suis invisible. Ah mais non, j'ai des armures, c'est pour ça qu'il me repère. Merde, chier. Est-ce que je vais m'en sortir à cette partie? Parce que moi, c'est jump là, je t'avoue que... Est-ce que c'est grave si je ressens l'envie de streamer quotidiennement? Genre vraiment? Non. Juste la clé? Ah mais je suis pas doué moi. Oh là là, va-t'en. Je suis vraiment pas doué. Mais surtout que je peux en fait, alors que bah avant je pouvais pas. Là, j'ai fini des cours, j'ai juste mon épreuve jeudi et le 7 et le 8 juin. Et encore le 7 et le 8 juin, c'est une heure d'épreuve à chaque fois. Jeudi, toute la journée, par contre. Donc, jeudi, j'existe pas. Yeah. Jeudi, je vais rentrer chez moi, je vais être au sol. Parce que c'est une journée de travaux pratiques. Donc, j'ai 2h30 de service technique et service à l'usager. Donc, c'est ménage, cuisine, rafistolage, repassage, tous ces trucs comme ça. J'ai, pareil, j'ai 45 minutes, je crois, d'épreuve de... On s'occupe d'un bébé. Et j'ai mon oral de rapport de stage. Oh non, il va y avoir les squelettes qui vont me tirer dessus pendant que je fais le jump et tout. Oh là là, la merde. Ah, la lenteur de ménage, c'est énorme. C'est bon. Heureusement que t'as une pioche. Quand t'as une pioche, t'as, tu le sens, mais tu le sens pas trop trop violemment. Si tu streams tous les jours, Tenebi, ça peut que nous faire plaisir, mais tu te reposes si tu es fatigué. Ah oui, bien sûr. Voilà, t'as bien vu, aujourd'hui j'avais pas envie, genre j'étais censée tourner Ghost of a Tale, épisode 2, je sais plus combien, et j'ai eu la flemme. Et j'ai décidé que je me forcerais pas pour ma chaîne YouTube, mais même pour les streams, donc je me forcerais pas. Oui, je suis premier au... Oh. Tu parles de l'épreuve technique et service à l'usager, Kana? Oh là là, il va me saouler lui. Va-t'en, va-t'en. C'est une de quoi, TNT. Je suis dans la TNT. Je suis dans la TNT. Oh merde. Non, je suis pas mort. Je sais pas si t'es mort. Regarde ton chat. Bah non, j'ai pas dû mourir. J'ai dû avoir vraiment du cul. J'ai vraiment. Mais c'était serré, hein. Oula. J'ai eu le droit des gaz dès le début, des choses comme ça quand même. Recoudre un bouton, repasser une pile de torchon. Bah en fait j'aurais pas tout ça. C'est-à-dire que j'aurais un plat à faire. Faudrait que je regarde si je passe le matin ou l'après-midi. Parce que si je passe le matin, ça va être un plat salé. Si je passe l'après-midi, ça va être un plat sucré. Généralement ils font comme ça. J'aurais un plat à faire et après j'aurais peut-être un repassage à faire, ou un nettoyage de sol, ou un nettoyage de vitres. Répondre à un sujet avec 3 questions. Ça oui, je sais, mais... Attendez, j'ai ma convocation, je vais regarder à quelle heure je passe ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a les recettes. Alors, je prise en charge l'enfant à domicile. Donc ça, c'est le bébé. Je commence ça le matin. Accompagnement éducatif de l'enfant, c'est à 10h30. C'est mon oral de stage. Et technique service à l'usager, c'est à 14h30. Donc j'aurai sûrement un gâteau à faire ou un truc dans le genre. Désolé. J'ai un ok. 14h30, durée maximum 2h30. Après, je l'ai eu en épreuve blanche et ça s'était bien passé. Ça avait été plus rapide que prévu. Donc...
j'avais sur mon épreuve blanche. Sur mon épreuve blanche, j'avais un crumble aux pommes et aux poires à faire et un nettoyage de micro-ondes. Ouais. Avec trois questions à répondre. Après, on se dit, oh, une fois je me compte, bah, facile. En fait, t'as toute une procédure à faire. Mmh. C'est pas comme à la maison, hein. Ah bah non, en termes de trucs comme ça, oui, c'est... Très, c'est faire, super hein. Difficile. Oh, j'ai plus poussé de jump. Chier. Mais bon, j'ai eu 15,8 à cette épreuve blanche-là, et ma prof, elle note ultra sévère. Et j'avoue que j'ai été ultra désagréable pendant toutes les preuves parce que j'étais super stressée. Ah, j'ai plus de bruit. J'ai plus de bruit. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, j'entends plus personne. Si? Matt? Oui. Ah, si, j'ai plus. J'ai la musique qui s'est arrêtée genre d'un coup. Mais vraiment d'un coup. Oh là là. Ça fait tout bizarre et du coup il n'y a plus de bruit. C'est ça. Ah ben voilà, il est là. Je cherchais mon téléphone partout. Oh non, c'est pas grave. J'arrive plus à sauter. Je suis un boulet. Je déteste les jumps. Oh là là, ça va me faire rager ça. J'ai tellement mieux en téléphone. Faut que je pense à appeler ma mère au téléphone. T'as pas appelé ta mère pour la fête des mères? Non, mais j'ai. T'as-tu pas honte? Bah, si j'ai voulu l'appeler, elle a pas répondu. J'y suis pour rien. Hein. Bon. Non, je pense qu'ils étaient dehors. Chez... Elle est dehors, donc elle a pas dû entendre le. Peut-être. C'est probable. Je sais qu'elle a reçu les fleurs que je lui ai envoyées. Parce que oui, j'ai quand même pensé à ça. Quand même. Oh, il y a plus de bruit du tout. Parce qu'en plus, j'ai complètement le son de Minecraft. Alors, du coup, ça fait tout bizarre de t'avoir de bruit comme ça. Je fais un montage depuis ce matin. Le montage, je le fais et tout. Et sans faire exprès, tu ne sauvegardes pas. Sur la touche. Oh, et bah, la touche qui fait bugger à chaque fois. Ah merde. Ah. Et donc, j'ai enlevé l'application. Donc, j'ai plus mon truc. Je dois le refaire. Puis, T'as pas sauvegardé au fur et à mesure et tout? Si, mais en fait, c'est compliqué. Genre, si tu prends une photo, t'as pas tout ce que t'as mis montage. Non, non, il y a un bébé zombie, il y a un bébé robot. Matt, il y a un bébé robot. Je suis fatiguée. Ah, t'as pas eu de chance, là. Je suis dans la cage d'options. Que... Pourquoi il n'y a plus la musique? Elle est complètement arrêtée et tout. Je vais me débrouiller autrement, je sais ce que je vais faire. Je relance un téléphone, je viens de m'en... Bon, bah du coup, je vais tester l'autre playlist. Comme ça... J'avais un de mes deux téléphones qui était éteint. J'ai perdu mon professionnel. Attends, je vais au moins mettre le chat, comme ça je peux vous lire. Ah, elle est sympa celle-là aussi. D'accord, à 13h50, c'est peut-être. Pourquoi j'en sais rien. Ouais, j'ai l'impression d'être une pro-gameuse avec ce genre de musique. oui, attends, c'est quand est-ce qu'il faut que je change? Oula, il y a eu un gros boom ici. on va mettre de la terre là, et là je peux remonter, ouais c'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon par contre, elle est sympa la musique, mais c'est vrai qu'elle peut donner mal au crâne à force. Oh non, 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 non. Oh, je suis morte à un bloc de la fin, est-ce que tu te rends compte? Je suis trop triste. C'est pas juste. Le jeu, il est injuste avec moi. Les gens qui regardent, ça va la musique? C'est pas... Elle est pas trop forte, elle est pas trop chiante? Je demande, hein, parce que il y a peut-être des gens qui aiment pas du tout ce genre de musique. Vraiment, j'écoute pas le son des lives. Je vais perdre, hein. Désolé. C'est bon, je suis deuxième. Ouf.
parfait, on me dit. Super. Ok, super. Alors, self service. Change password. Hop. Quelle heure il est? Bon allez, c'est la dernière et après on s'arrête. C'est bon niveau son du... Tenez. La musique? Bah apparemment, ça a l'air d'aller. Dans la cage, je peux poser une tête pour retirer l'eau. Ah! Et du coup, je disais GG à Emma Le Rouge qui a gagné sa première game de Lucky Race. Bah oui, GG à elle. Moi, c'est ce saloperie de jump là que j'y arrive de moins en moins. J'y arrivais beaucoup au début, maintenant j'y arrive plus. Oh non, mais non, mais les slimes, sérieusement. Va-t'en. Merci, je suis une grande fille. Ah non, va-t'en toi. Alors, l'ancien mot de passe, ça. Le nouveau, ça va être. Tac, tac, tac. Tu joues plus, Matt? Non, là, tout de suite, je suis en train de... Je vais mettre un mot de passe pour être tranquille. Je vais mourir. Ouais. Les dégâts de chute, c'est obligatoire. Mais il y a tout qui a été détruit là aussi. Voilà. Password change. Du coup, lui, ici. Désolé. J'ai des petites occupations d'employé. Que je fasse absolument, sinon je me retrouvais bloqué de mon compte mail. Ah merde. Professionnel, donc pas trop le choix d'aller... Ouais non, tu fais bien. Pour la boost jump, c'est jamais. Tous les 3 mois, faut que je change mon mot de passe. Je le fais maintenant. Paramètres de transcription. La clash d'Opsy et le slime magma. Moi non, la cage aussi me fait moins rager que les slimes parce que les slimes ils restent en fait. C'est la fin du live, ouais. C'est ma dernière partie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bah ouais, mais là j'ai stream depuis longtemps, là, depuis 17h. Oui, ça fait déjà 3h. Ça fait quelques heures. 3h déjà, ouais. Pas mal, hein. Il y a eu 2-3 heures. Hein. Bah, je l'ai coupé en deux parce que j'ai relancé le stream pour avoir la vidéo R et la vidéo Minecraft comme ça. Il y a quand même toujours 18 viewers. Hein. Oui, enfin, moi je vois qu'on est 22 sur mon logiciel, mais je pense qu'il y a un petit délai. Oui, il y a le délai avec l'actualisation. Oui, il va falloir manger. Il faut manger que aussi. Tu manges. Ouais, je sais, mais j'ai pas faim. Oh non, là je suicide. Ça, c'est pourtant bien. Ouais, je sais. Voilà. Et c'est quand tu cuisines un truc qui sent très fort, t'as plus faim après. Enfin, moi, ça me coupe totalement l'appétit. Puis en même temps, c'est tous les dimanches, midi, c'est poulet. C'est comme ça chez moi. Et je n'en peux plus. J'en peux plus du poulet. Je peux comprendre que ce n'est pas facile. Puis c'est long à cuire un poulet, quoi. Attends, je suis... Ce que j'ai envie de faire, que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, c'est mon gratin d'épinards. Je vous laisse monter. Ok. Quand on parlait des mamans. Hein. Je suis coincée. Ah oui, d'accord, donc je vais plus pouvoir... Ah si, là. Voilà. Ok, donc il y a moyen de passer avec l'arbre, j'ai l'impression, quand même. Épinards trop bons, mais ouais. Petit gratin d'épinards avec une petite tranche de jambon et hop.
Bah là, je t'avoue que tout à l'heure dans mon congélateur, j'ai vu que ma mère elle avait acheté des patates burgers. Alors c'est des burgers, mais sauf qu'à la place du pain, t'as des beignets de pommes de terre. Et ça, c'est trop bon. Et je vais peut-être voir si je peux pas manger ça ce soir. Alors attendez, parce que là, ça va être compliqué. Pas casser les feuilles. Est-ce que je vais mourir ou pas? Je suis pas morte. Pourquoi il y a une dame qui chante en japonais dans la playlist? Soit je vais manger les droits d'auteur à la con, c'est à cause de ça. Ah, épinard chèvre, c'est trop bon ça aussi. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un lien. Vous avez mis des liens. Je vais l'écrire. Ouais, je sais, mais c'est considéré comme un... Oh, Emma! Attends. Je crois que c'est bon, tu peux reparler, Emma. Bon, est-ce que j'en refais une? Bon, allez, j'en refais une, j'ai envie. Mais après, j'arrête, hein, parce qu'il faut que je mange quand même. Ouais, t'étais bannie, oh là là. Kissy, t'es là? Et puis là, Kissy non plus, je suis absolument toute seule dans mon channel live. Ouais, Kissy n'est plus là non plus. Ah, moi je suis là, mais je suis en dépression. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, pour ton... Tout refaire, ouais. Non, mais je pense que je vais l'enlever, ce truc automatique qui banne pour des liens. J'ai perdu mon compte, alors je vais me consoler sur les streams. Oh merde! Moi aussi j'étais bannie, en plus j'avais rien fait. Tout le monde dit ça. Mais là, tout petit peu demandé d'être bannie. Hein. Ouais, j'avoue que c'est bien tenté les espaces autour des points. Comme quoi, il est hyper intelligent ce bot, mine de rien. Oula, je vais plus avoir de pont, moi. Je vais tout doucement. Non, va-t'en, toi, je te déteste. Toi, t'es le pire. Oh, j'ai même pas de bloc et tout, ça va être infâme. Ouais, bah non. Mais surtout que je crois qu'il n'y a même pas de temps en temps des réductions pour acheter les comptes Minecraft. C'est toujours plein pot qu'on les paye les comptes. Enfin, plein pot. Moi, à l'époque, je l'ai payé 13€ mon compte, mais... Le bon vieux temps du Minecraft, pas cher. Je sais pas du tout, va te faire twitcher. Tu peux essayer, hein, si t'as envie d'être banni. Va-t'en, toi, vilain. Maintenant j'ai du poison et tout. Ah, j'ai de la régène. Oh, j'ai de la lave. Je l'ai payé 15€ maintenant. Ouais, maintenant c'est 25. Ça m'avait choqué quand j'ai vu le prix. 25€ le compte Minecraft. Je crois que c'était 20€. Ouais, à l'époque que je l'ai payé, c'était 13€, je crois, un truc comme ça. Entre 13 et 15, je sais plus. Le jump boost, trop bien.
évidemment. Oh, elles sont très sympas ces petites musiques. Oh, je suis tombée comme un caca. Ah, j'entends quelqu'un cliquer. C'est qui? Ah, il y a des comptes Minecraft sur Instant Gaming? Oh là là, je suis toute ralentie, il y a les TNT. C'est bon. C'est bon, j'ai gagné. Oh là là. Sympa cette musique. T'as pas besoin de gemmes, toi t'es né. J'en ai combien? 2, 8, 2, 7. Un peu quand même. Ah, je pourrais pas écrire, j'aurais pas le temps. Bon, bah, j'ai besoin de plus d'aime plus que lui. Bon, bah du coup, j'ai pas envie d'arrêter parce que je m'amuse bien, mais faut être raisonnable, je pense, dans la vie. Si je stream en début de soirée, vers 17h et tout, comme ça, après les cours et le travail, je sais pas, 17-18h, ça vous irait, vous, ou pas? Parce que moi je me sens assez en forme et j'ai assez l'envie de stream et j'ai plein de jeux à stream donc j'en ai un super à stream mais celui je pense qu'il faudrait plutôt faire ça un mercredi après-midi genre vraiment parce qu'il a l'air d'être très long à faire. Et ouais, j'ai plein de jeux à vous stream que je garde de côté justement pour les streams depuis des mois en plus. Donc je sais pas si ça vous plairait 17-18h pour commencer les streams en semaine. Il n'y a plus personne qui me parle. Je trouve ils sont déjà partis. Ils m'ont même pas laissé leur dire au revoir et ils sont déjà partis. Moi je suis vexée. Pourquoi t'es vexée? Très bien, 17h. Je bosse à partir de 16h. Ouais, mais Emma, toi, t'as des horaires atypiques. Ah, on a Kitsune qui joue de la bannière en bas à droite. Mais contente que t'aies repris les streams. Et moi, je suis tellement contente. Je préfère tellement les streams aux vidéos. Plutôt 19h. Ouais, mais 19h, c'est l'heure de... Enfin, si je stream à 19h, je peux stream que jusqu'à 20h30. Tu vois le délire, Supra Kirby? Ouais non, 19h, ça me fait arrêter à 20h, 20h30. Parce qu'après, bah faut que je mange quoi. Et je peux pas stream après ces heures-là parce que je n'habite pas toute seule. Honnêtement, je vivrais toute seule ou avec mon chéri, je pense que je pourrais stream jusqu'à 22, 23h, tu vois, tranquille. Mais là, j'habite pas chez moi.
Bah écoute, Super Kirby, je suis désolée, mais après, bah, y a les week-ends comme aujourd'hui, tu pourrais être là, mais je peux pas faire plus tard. Parce que sinon, faut que je fasse des lives silencieux. C'est un peu con quand même, des lives où t'as pas le droit de parler, c'est débile. Comme tu veux, tu verras bien. Bah oui, de toute façon, en tous les cas, il y aura toujours des rediffs. C'est automatique les rediffs. En fait, le seul truc qui me prend du temps derrière, c'est 22h, c'est assez short pour moi. Je comprends pas ce que tu dis sur Kirby. Je travaille le samedi. Oui, mais là, on est dimanche, tu vois, t'as pu venir. De toute façon, ça se trouve, voilà, pour le moment, je cherche pas de boulot jusqu'à juillet, jusqu'à ce que j'ai mes résultats. Parce que quand j'ai mes résultats, je balance tout avec mon diplôme en disant « Regardez, j'ai un diplôme, prenez-moi dans votre équipe !» Et voilà, ça se trouve, j'aurai un boulot, je pourrais plus trop le faire non plus, tu vois. Mais tant que j'ai pas de boulot... voilà. Donc du coup, je pense que... suivez-moi sur Twitter ou venez sur le Discord. Je vous ping ceux qui... Si vous avez demandé le grade... abonné de Tenebi, vous serez ping quand il y aura des lives. Et j'en parle aussi sur Twitter quand je fais des lives. Et au pire, si vous avez suivi la chaîne, vous pouvez recevoir aussi des notifications. Dans tous les cas, il n'y a pas moyen de ne pas être au courant, je pense. Donc du coup, bah, demain, 17-18h peut-être, je sais pas, on verra. Si j'ai envie aussi, si ça se trouve, j'aurais pas envie demain. Je pense que si, parce que j'aurais révisé une bonne partie de l'après-midi, j'aurais besoin de me détendre. Nicolas, merci d'avoir suivi le live et merci d'avoir regardé la rediff. Si vous avez regardé la rediff, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très 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 bientôt. Je vous reprends sur le Discord à l'écrit si jamais vous avez envie de papoter.